orange. Des oranges mûres. Il y a des oranges ici au... Achetez vos oranges. Orange sucrée. Achetez vos oranges. Oh, oh les oranges. Mmh? À combien tu le vends? 4000 francs. Ah, c'est trop cher, j'ai passé. Ah, ah. Non, non, c'est trop cher. Achetez vos oranges. Orange. Achetez vos oranges sucrées, oh. Achetez vos oranges. Orange. Achetez vos oranges. Oh. Achetez les oranges. Achetez les oranges. Orange sucrée. Achetez vos oranges. Orange sucrée. Hey, les oranges. Oui, toi, viens. Tu es sûr que c'est sucré? C'est vraiment sucré, monsieur. Laisse-moi t'aider. Ah, les oranges, ça fait vraiment longtemps que j'en ai mangé. À combien tu les vends, ces oranges? 4 pour 4000, mais je peux t'en donner 5. Ah, 4 à 400 naira, c'est trop, non? C'est beaucoup trop cher. Ok, si tu insistes à 400 naira, donne-moi-en 7 alors, non? Non, non, monsieur, les fruits sont maintenant chers. Ok, pourquoi ne pas me donner 4 à 200 naira? Je t'en prie, monsieur, non. Monsieur, je ne vends pas de cette manière. Regardez par vous-même. Ok, d'accord. Morcelle-les pour moi. Voulez-vous faire un choix? Non, non, pour moi juste celles qui sont assez passables et surtout celles qui ont assez dû à l'intérieur. Tu as dit que ces oranges sont sucrées. Très sucrées, monsieur. J'ai du mal. Hey, c'est comme si tu as beaucoup vendu aujourd'hui. Comme toujours, remercions Dieu. Iya, suis heureuse pour toi. Merci. Tu sais que nous sommes amis, ça fait des années maintenant. Même Dory n'était pas encore née. Tu sais que je ne peux pas mal te conseiller à ce que tu veux t'engager. Ne penses-tu pas que tu dois arrêter ton affaire si de vendre la nourriture et retourner à l'école? Peut-être si tu finissais avec tes études, et là tu peux décider d'être une femme d'affaires. Ce n'est pas que j'aime faire ce genre de business, ou même que j'aime faire l'école buissonnière. C'est la situation qui fait que ça soit ainsi. Tu as oublié? Depuis que ma mère est morte, mon père a des difficultés pour prendre soin de moi lui seul. Ça, c'est pas bien. Chidema, peut-être que si je parlais à ma mère, de parler à ton père pour ta prise en charge. Hein? Oui. Non. Ah, ne cite pas mon nom. Oh. Mon père va me tuer vivante. S'il te plaît. Oh. Pourquoi? Mon père n'aime pas que je parle de ma famille. D'ailleurs, comme tu le sais, en dehors de nous. Hein? Ok, je voulais juste aider. Que je ne te cherche pas de problème. C'est bien, on va se voir demain. Même après le marché. Faut venir chez nous. Ok, bye bye. Prends soin de toi. Hey, banane! Banane sucrée. Bon après-midi. Bon après-midi. Fais descendre tes bananes. Où ne sont-elles pas à vendre?
Laisse-moi t'aider. Juste ici. À combien tu les vends déjà? 600, 400 et 2500. Eh bien, vends celle-ci à 200 nira pour moi, non? Non, mais c'est tu sais que je suis ton client régulier, pourquoi tu me fais ça, je non? Je peux vous les donner à 300. Ok, vas-y, donne-les-moi, non? Désolé, c'est le seul emballage que j'ai. Aucun problème, non? Mais c'est gros d'habitude, non? Celles-ci sont plus petites aujourd'hui, tu trouves pas? Je vais en chercher pour les autres. Quelqu'un me donnera un autre aujourd'hui. Ok. Mais attends, oh, pourquoi est-ce que je t'ai pas vu depuis... quelques jours maintenant? Ces derniers temps, le fond a disparu. Pas moyen d'en trouver beaucoup pour vendre. Oui, je vois, pas de problème. Mais ne vas-tu pas à l'école? J'ai stoppé en secondaire. Pas d'argent pour continuer. Je vois. Ne t'en fais pas, tout ira très bien. Hein? Tu retourneras à l'école. Mais, tu es une fille très travailleuse, oh. Exact, parce que je te vois chaque jour amener de la nourriture ici et c'est pas toutes les filles qui feraient ce genre de business. Genre prendre un panier, le mettre sur la tête et puis commencer à vendre différents fruits aux gens. Tu es vraiment très travailleuse. Merci. Quel est ton nom? Chidinma. Chidinma. Ok. Et si je te disais que je t'aimais bien? Merci. Ok. Il n'y a pas de quoi. Est-ce que je peux avoir ton numéro? Comme ça, je pourrais au moins t'appeler quand j'ai envie d'acheter la nourriture ou aussi si j'ai envie de te parler un peu. J'aimerais bien le faire. Malheureusement, je n'ai pas de téléphone. Ok. Ok. Ok, alors est-ce que je peux te donner le mien? Comme ça, tu pourras m'appeler quand tu voudras afin qu'on puisse parler un peu peut-être pour des différentes choses. Ce n'est pas nécessaire. J'emprunte cette route pour vendre. Donc, tu peux me voir. Donc, on se verra. Je vais m'en aller. Ok. Attends que je te donne ton argent. Ok, ajuste ça comme ça, juste au cas où tu aurais besoin de quelque chose, quoi. Merci. Laisse-moi t'aider. Bye bye. Sois prudente, hein. Achetez vos bananes. Elle est pas mal. Regarde-toi. Tu n'arrêtes pas de sourire. Pourquoi souris-tu? Tu me rends heureuse. Oh. Oui. Viens là. Alors, tu suggères qu'on fasse quoi maintenant? Hey. Il se passe quoi ici? Bon après-midi, monsieur. Ou bien. Oui, monsieur. Et toi, jeune fille, que fais-tu avec lui? Non, elle... Tu as sûrement quitté la maison pour autre chose. Et tu es là à jouer à la... Allez, va chez toi. À la maison. Lève-toi vite. Va à la maison. Va à la maison, vas-y. N'importe quoi. Et toi, jeune homme? Monsieur? Tu ne fais que jouer avec elle, n'est-ce pas? Bon après-midi, monsieur. Ah, regarde ça. Regarde ce qu'il fait. Va chez toi. Oui, monsieur. Attends ici. Oui. Pas comme ça, comme ça. Oh, non, oui, là-bas, oui, comme merci. Ça. N'importe quoi. N'importe quoi. Et toi, jeune homme, tu es là à la tromper, n'est-ce pas? Regardez-moi cette tronche. Allez, va à la maison. Se dégage ici. C'est par là, va par là, vite. N'importe quoi. Attends un instant. Maman? Maman, bonjour. Chilidou?
Et maman? Tu es encore ici à cette heure de la journée? Hein? Tu n'iras pas à ton atelier? Arrête-moi ça, s'il te plaît. Maman, je vais y aller, je vais y aller. Pourquoi est-ce que certaines personnes ne peuvent pas s'occuper de leurs affaires? C'était tellement bon, mon amour. Il était même venu pour me voir, moi. Cet homme est venu, on a fait tout un problème. Comment tu as trouvé ma maison? Tu penses que tu peux t'amuser de moi? Tu t'adresses à quelqu'un qui voyage. Et un voyageur peut savoir tout ce qu'il veut savoir et aller n'importe où il veut aller. Je suis pas n'importe qui. Écoute, tu dois quitter cet endroit. Si mon père te voit ici, il va me tuer. Exact, c'est vrai, mais pas si j'ai de bonnes intentions. J'ai de bonnes intentions, c'est pourquoi je suis ici. Non, va-t'en. S'il te plaît, va-t'en. Mais tu dis-moi, je t'aime toi, non? Aimé, moi, qu'est-ce que c'est? Reste là, quand il te verra, ne me condamne pas de ce qui va t'arriver. Reste là. Ah mais tu dis-moi, tu dis-moi. Tu dis-moi. Où se trouvent les clés? Regarde, elles se trouvent dans ce sac à outils, Attends, mais où est-ce qu'elles se trouvent là? Jeko! Viens m'aider à changer ça. S'il te plaît, dépêche-toi. Vite. Toi, aide-moi à sortir ça, s'il te plaît. Aide-moi, ouais. Cette chose, donc c'est à cause de cette chose. Je comprends maintenant pourquoi ça faisait ce bruit-là. Quoi? Je me doutais. C'est pourquoi ça. Ça faisait ce bruit, c'est cette chose. Je t'en prie, aide-moi. Utilise l'essence et aide-moi à laver ça très bien, s'il te plaît. Je t'en prie. Cette chose, c'est bizarre. C'est pourquoi ça. Quoi? Est-ce que tu avais fait quelque chose à propos de ça? Est-ce que tu as autre chose à faire après ça? C'est pas comme si tu étais en train de faire toute une voiture au complet. Je me débrouille de tout bien réparer. Te voilà à me dire n'importe quoi. Tu vois, hein? Hein? Es-tu en train de me dire que tu es finalement tombé amoureux de cette petite fille? Toi qui n'es qu'un simple ouvrier, jusqu'à atteindre ce niveau où tu vas dans sa maison. Pardon. C'est quoi ça? Non. Pourquoi tu t'appelles comme ça? Mais cette fille, justement, mais sais-tu pas que cette fille-là, elle est une petite, non? Une fille qui l'année prochaine aura 19 ans. Donc c'est elle que tu es en train d'appeler une petite fille. Mais c'est quoi ça? Hein? Elle est une petite fille. Quelqu'un qui 18 ans, c'est déjà être un adulte. Quelqu'un qui aura 19 ans, c'est comme si 18 ans, c'est être un adulte, tu sais pas. D'ailleurs, pourquoi t'intéresses-tu à ça? Tu vois cette fille? Cette fille est supposée être à l'université actuellement. C'est juste que son père n'a pas l'argent pour ça. Alors arrête de sous-estimer cette fille-là. Tu confirmes de le faire parce que tu t'es dit qu'elle n'est pas une petite fille. Elle n'est pas une petite fille, non? Ok. Ikenna. Non, c'est bon, tu as dit qu'elle est une grande fille. Mais c'est quoi tes intentions concernant cette fille? Ikenna, arrête de me poser des questions stupides. Arrête de me poser ce genre de questions-là, s'il te plaît. Alors toi, quelles sont tes intentions vers Ugechi? Laisse un peu Ugechi. Moi, je te pose des questions. Si c'est un peu. Ok, donc tu veux que je réponde à tes questions alors que moi, je te demande à propos des Ugechi et tu veux même pas répondre. Non. Je te demande d'abord. C'est quoi tes intentions? Non, quelles sont tes intentions à toi? Ikenna. Si tu sais que tu veux que je puisse quitter cette fille pour te la laisser, dis-le maintenant. Parce que je peux voir que tes yeux sont vraiment en train d'aller dans la mauvaise direction. Vas-y, mon ami, juste dis-le comme ça, je vais la laisser toi, pour toi. Arrête ça. Écoutez, ce n'est pas de mes intentions. Regardez sa face. Mais si tu t'es décidé de me laisser cette fille, je serai d'accord avec. N'importe quoi. Ça sera quoi, une très bonne idée. Quoi. Ça sera une très bonne idée, je te dis. Je te jure. Et wow, cette voiture a quand même pu être réparée. Écoute. Oh! Donc tu utilisais cet œil-là pour pouvoir la regarder à chaque fois qu'elle venait ici pendant que tu utilisais l'autre pour pouvoir faire ton travail. Mais c'est quel genre de bêtise? Ok, donc c'est le genre de personne que tu es vraiment, Ikenna.
Comment? Donc tu étais jaloux de ma relation avec cette fille depuis tout ce temps? Non, non, mais... pas de nom. Laisse-moi te mettre en garde, Ikenna. Tu sais, le jour où je te verrai proche de cette fille-là, tu peux me croire, je vais te castrer, je te promets. Qu'est-ce que tu dis là, idiot? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses vraiment que tu as mis... Moi, un idiot. Tu penses que j'ai peur de toi? Non, oh seulement, tu penses que quoi? Tu parles de choses que tu sois même. Je n'ai rien du tout à te dire. Après tout, cette fille est une petite fille. Alors tu es, tu es vraiment le dernier des idiots. Tu n'as rien à me faire en tout cas. Un idiot. Uma, ton père est vraiment trop dur. Pour ce qui te concerne. Je t'avais dit que c'était un homme difficile. De toutes les façons, attends que je te donne quelque chose pour manger. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose me dérange. Quelque chose te dérange? C'est quoi ce problème que moi, ton ami, je serai incapable de résoudre et qui ne peut pas attendre que je t'apporte quelque chose à manger, hein? Calme-toi, calme-toi. Tu peux me parler. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que je suis amoureuse. Tu es amoureuse? À cet âge? Non, 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 non. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas. Je pense que j'aime quelqu'un. Je vois que c'est sérieux. Que ce type de l'amour ou que quelqu'un te plaise. Ok, c'est bien. Qui ça peut être si je demandais? Tinebu, le mécanicien qui travaille sur la route au Coro. Tinebu? Attends. Le même Tinedu que je connais. Et où? Uma, s'il te plaît, viens. Tu sais que je suis comme une grande soeur pour toi. Voilà pourquoi tu me dis tout. Je ne veux pas te décevoir. La vérité est que tu y es encore jeune. Tu y es trop petite pour parler d'amour. Tu ne peux pas comprendre le ressenti d'amour. Écoute, ma chérie. Les hommes ne sont pas ce que tu crois d'eux. Crois-moi. Pour l'instant, oublie l'amour. Et concentre-toi sur tes affaires. Ne laisse rien te distraire, Uma. Je ne veux pas te décevoir. Écoute, quand le temps viendra, tu le sauras. Peu importe ce que tu ressens maintenant, je ne pense pas que c'est l'amour. Crois-moi. D'ailleurs, je ne veux même pas croire que tu es sérieuse. Tu blagues, c'est ça, hein? Tu blaguais? Hein? Na, bonjour. Adibebu Benania. Qui fait vous l'aimer? Odibegu. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu t'es dit que tu es en train demain, de chanter ou. Regarde comment même tu danses. Tu ne sais même pas danser. Je crois pas que tu saches danser. Non. Hein? Hein? Regarde comment tu es si heureux ce matin. Et en train de danser ça et là. Hey. Qu'est-ce que c'est? Ah, tu vas pas comprendre. ça peut être une bonne nouvelle. Dis-le-moi. Tu ne vas pas comprendre, mon frère. Je ne vais pas comprendre. Si tu me fais comprendre, là je vais comprendre. Je t'ai promis de comprendre, oui. Tu vois ce Dieu? Il est merveilleux. Je te jure que personne n'est comparable à lui. Mais parle-moi, non? Dieu a finalement exaucé mes prières. Tu comprends? Ok, oui. Il l'a finalement fait pour moi. Oui, oui, oui. Dieu a finalement répondu à tes prières. Oui.
Alors qu'est-ce que c'est? Dis-le-moi, non? Arrête de garder les suspenses. Dis-moi, s'il te plaît. Mon frère, tu ne comprendras pas du tout ça. Laisse tomber. Parle-moi, au lieu de dire que je ne vais pas comprendre. Mais toi, hein, c'est bon maintenant. C'est bon maintenant. Attends, je vais te le dire. Hein? Tu vois, avoir une... Laisse-moi, oublie un peu tout ça. C'est quoi ton problème? Je vais te le dire. Continue de me dire. Tu ne remarques même pas que j'ai disposé mes oreilles. Je te dis de me dire tout ça. Oublie un peu tout ça, alors laisse. Pourquoi te fâches-tu toujours comme un homme de courte taille? Es-tu de courte taille? Et c'est qui est de courte taille? Hein? Parle-moi donc tout ce qui concerne ta vie est très court. Arrête un peu de garder les suspens et dis-le-moi directement. Non? C'est bon maintenant, c'est bon maintenant. C'est une bonne nouvelle. Arrête de te comporter comme ça. Tu es mon ami. On ne va pas se chamailler. Dis-le-moi, mon ami. Vas-y, dis-le-moi. J'ai finalement trouvé ma meilleure moitié. Es-tu sérieux? L'amour de ma vie. Vas-y, parle. Et pour être franc, tu es d'ailleurs en train de regarder un homme marié en devenir. Attends d'abord. C'est bon. C'est j'ai bon. Trouvé cette personne avec qui je vais passer le restant de mes jours. Oui. En tout cas, c'est très bien d'entendre ça. Ne te gare pas là-bas, pas là-bas. Oui, parc ailleurs, oui, on arrive. Attends. Ne dévie pas cette histoire. Hein? Vas-y. Je suis content pour toi. Merci, mon frère. Cher ami, merci beaucoup. Tu vas nous faire prouver que tu es un homme. Allez, vas-y, salue-moi ici. N'exagérons pas, tu ne vas pas travailler. Mon cher ami. Eh wow. Je suis content pour toi. Merci, mon frère. Allô? Mon ami? C'est qui cette... Nyan. C'est qui cette... c'est qui cette fille... c'est qui cette femme... Nyan. Eh vous... Devine. Devine, non. Ne peux-tu pas deviner? Ma mémoire de devinette est si pauvre. Je suis très bête à ces niveaux. Oui, mon cher ami. Alors, c'est vraiment évident. Parce que si c'était moi qui avais dit que tu es inutile et que tu étais stupide, tu allais te battre, là. Non? Même si entre nous, on sait que tu es vraiment stupide. Mais attends, je vais te dire. Ce n'est pas du tout une autre personne. Ah oui. Tcha. Hein? Tu dis quoi? Chidinma, non. Chidinma. Celle-là. Ikenda. Essaie de te contrôler, s'il te plaît. Je sais que c'est là que nos combats et nos querelles vont commencer. Attends-moi quand je... N'appelle pas cette fille une petite fille à nouveau. Je te l'ai déjà dit. Je n'arrive pas à te comprendre. J'espère que c'est clair. Jalousie. Donc voilà, tu vas ouvrir ta sage bouche pour dire n'importe quoi. Cette fille vend des fruits, pas autre chose. Tu viens de rejoindre le niveau où je suis déjà. Ferme-moi ta sale bouche là. Attends, laisse-moi te dire ceci. Pour ton information, tu vas être mon garçon d'honneur ce jour-là. Tu es un idiot. Hein? Tu es un idiot pour dire ça. Moi être ton garçon d'honneur. Qui d'autre? Je n'oserai jamais le faire. Comment est-ce que je peux être le garçon d'honneur de... Cette fille est une petite. N'importe quoi. Elle est d'ailleurs mineure. Qui est Ogechi? Allez, va. Ogechi est une majeure. Allez, arrête avec tes bêtises. Cela ne marchera pas. Tu dois être mon garçon d'honneur. Vas-y, parie-le. Tu seras mon garçon d'honneur ce jour. Allez, qui est là devant moi? Je dis qui est là devant moi. Hein? Chinedo. Un moment. Chinedo, depuis la mort de ton père, je me suis toujours débrouillé pour que tu ne puisses manquer de rien. Maman, tu t'es bien débrouillé, c'est très bien, j'apprécie, maman. Mon fils, je t'ai appelé ici, hein, pour te demander quelque chose, pour te poser une question. Mais je ne veux rien d'autre que la vérité. Aucun problème, maman. Je t'écoute, maman. Qui est cette fille qui vient souvent te rendre visite? Et d'où est-ce qu'elle provient? Oh, ok, maman. Tu veux dire, son nom est Chidinma. Elle passe souvent dans notre shop pour pouvoir vendre certains trucs. Souvent des oranges et certains, enfin, des fruits. Au fait, elle vend ces choses dans notre shop. En d'autres termes, elle est ta cliente. Elle te vend des fruits à l'atelier. Exactement. Alors pourquoi elle vient te rendre visite souvent à la maison? Hein? Cette parcelle fait partie de ton atelier? Je pense que vendre et acheter des fruits doit se passer à ton atelier et pas ici. Maman, tu sais, c'est juste que elle vend et puis elle vient souvent. Elle... S'il te plaît. Je t'en prie. Interdis-la de venir ici. Je ne veux pas de problème.
Hein? Elle est ta cliente à l'atelier. Comment expliques-tu le fait qu'elle commence à te rendre visite à la maison? Est-ce que cette parcelle est devenue ton atelier? Vos affaires entre clients et le vendeur doivent s'arrêter à l'atelier et pas ici à la maison. Hein? Maman est si mal à ce point? Ou ne devrais-je plus avoir d'amis? Je suis ta mère. Hein? Cette fille est sans défense, oh. Elle n'a vraiment aucun problème. Écoute ce que je t'ai dit. Je sais de quoi je parle. Je suis ta mère. Est-ce que je vois en état ainsi? Hein? Même si tu montais sur un arbre, tu ne le verras pas. Je suis une femme. Et je sais ce que ça veut dire quand une femme commence à rendre visite à un garçon à la maison. Et surtout à des heures tardives. Sois prudent. S'il te plaît, mon fils. Sois prudent. Je t'ai demandé de rester loin de cette fille. Éloigne-toi d'elle. Tu es tout ce que j'ai. Je n'aimerais pas que quelque chose de mal puisse t'arriver. Parce que si quelque chose lui arrive maintenant, tu n'auras personne pour t'aider. Et personne ne viendra à mon aide. Alors mon fils, je t'en prie. S'il te plaît. Pitié. Interdis-la de venir ici. Je t'ai entendu, maman. C'est bon. Tu n'iras pas à ton atelier. Oh, je te prends congé. Je t'ai dit tout ce que j'avais dans le cœur. Après avoir utilisé tout mon argent, voilà, tu me demandes d'aller au shop. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas au juste? Cette fille est sans défense, oh. Elle n'a aucun problème, oh. Hein? C'est la seule amie que j'ai. Est-ce trop demandé? Chidima. Papa. Chidima, tu es mon unique fille. Et par-dessus tout, tu es l'unique enfant que j'ai. Es-tu au courant de ça? Oui. Très bien. Ça fait vraiment un moment que je te surveille attentivement. Et parfois, je me pose beaucoup de questions si c'est la même Chidima que je connais. Les genres d'affaires que tu fais, ça finit, tu n'y vas plus. Et tu ne vas plus au marché. Et si je te les demande, tu vas te plaindre en disant qu'il y a abondance de nourriture au marché. Et les genres d'habits et des chaussures que tu portes ces derniers temps, je suis pas sûr que c'est moi qui te les ai achetés. Bien, je n'ai pas dit que tu devrais porter de mauvais habits. Mais un bon parent doit être intéressé au comportement de son enfant. En fait, je veux dire, il doit savoir quand est-ce que sa fille va mal. Oui. Oh, et tu es en train d'essayer de me dire que tu as utilisé tout l'argent que tu avais réalisé dans cette affaire que tu faisais pour acheter des habits. Papa, tu n'as pas à t'inquiéter. L'argent de la vente est toujours intact. Et les vêtements que tu m'as vu nettoyer appartiennent à tous mes amis du secondaire qui sont maintenant à l'université. À cause de notre amitié, elles m'ont donné un boulot. C'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Il n'y a pas de problème. C'est très bien. Bon, d'accord. Tu n'as pas à t'inquiéter, papa. Lorsqu'elle viendra pour les vacances, je m'amènerai à te C'est très bien, je
J'avais commencé déjà à m'inquiéter, mais comme tu m'as dit que je ne m'inquiète plus, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Amène-la ici pour que nous puissions la voir et ça ne va plus déranger. C'est oui, très bien. Tu peux m'apporter à manger. Va me la chercher. Mais quand tu vas m'amener à manger, amène deux cuillères. Comme ça, nous allons manger ensemble. Ok. Oui. Vas-y, prends ça. Utilise ça pour l'approvisionnement. Ok. Et celui-ci? Vas-y, prends tout. Ça, c'est pour toi. Toi-même. Utilise ça pour acheter tout ce que tu voudras. Hey. Oui. Peux-je cuisiner pour toi avant de rentrer à la maison? Je vais laisser la nourriture à la maison afin que tu te serves toi-même. C'est toi qui vas préparer. Quand tu auras fini de le faire, appelle-moi. Je rentrerai à la maison. Okay. C'est bon? Ok, bye bye. D'accord. Vas-y, un câlin. Okay, d'accord. Bye bye. Prends soin de toi. Hein? Oui. Sois prudent, toi. Ok. Non, mais c'était quoi? Laisse-moi, laisse-moi. Hey, mon ami. Hein? Mon ami, mon ami. Hein? Tu sais, t'as fait un bon travail. Oh. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Donc, tu es finalement arrivé dans la vie de cette fille. Et après, tu as fait d'elle. Tu as fait d'elle une femme. Aïe, tu ne sens pas. Ok, attends, tu n'as jamais entendu parler des jeunes doivent grandir? N'as-tu jamais entendu ça? Oui, je sais absolument tout. Elle est en train de grandir, non? Oui, elle grandit. Laisse-moi tranquille maintenant. Alors, elle vit maintenant avec toi? Comment? Hein? Mais pourquoi est-ce que tu caches tout? Un jour, lorsque tu ne décrochais pas, elle m'avait appelé. Ikenna, elle ne fait qu'aller à la maison pour m'aider à cuisiner. Et après ça, tu mon vois cher ami, toi? Je suis content. Tu vois ce que tu fais? Je suis très content. Abîme tous les bons parce que celles qui sont abîmées sont là-bas. Je t'ai demandé de les arranger. Tu as refusé de le faire. Arrête d'abord de dévier. Pour ton information, arrête de beaucoup trop réfléchir. Elle ne fait que m'aider à cuisiner. Après ça, elle va rentrer à la maison. J'espère que tu m'as entendu lui dire qu'elle devrait faire vite pour que la nuit ne la trouve pas là-bas. Oh. Non, non, je t'avais entendu. J'avais entendu ce que tu lui avais dit. Une fois que tu auras fini de préparer, appelle-moi, je vais rentrer à la maison. J'irai à la maison pour qu'elle aussi rentre à la maison. Mon cher, je ne suis pas un bébé. Elle fait ça. Et ta maman, elle n'est pas du tout fâchée. Eh bien, ma mère n'est pas aux environs, c'est pourquoi elle est juste en train de m'aider. Elle n'est pas là. Oh, alors, elle ne fait que m'aider avec tout ce dont j'ai besoin. Parce que tu sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je viens souvent au boulot et puis je rentre très tard. Oui. Alors, elle va m'aider avec tout. mais attends, laisse-moi au moins te poser une question, s'il te plaît. Attends. Pourquoi est-ce que tu me poses ce genre de questions un peu bizarres? Hein? Mon cher, pourquoi que tout ça te concerne exactement? Mais j'espère seulement que tu n'es pas en train d'essayer de lui faire la cour. C'est toi maintenant qui dis tout ça. N'es-tu pas celui qui avait dit qu'après tout ça, tu vas aller à la maison? Oui, exact, non? Alors maintenant, pourquoi parles-tu de ça? Ah, toi, tu es doux. Maman, laisse cette fille, laisse là-haut. Chinelou, je te pose la question. Maman, s'il te plaît, laisse-moi. Chinelou, reviens. Laisse-moi tranquille. Quel genre de fille es-tu? Hein? Hein, Chinelou? Je ne fais que te demander à propos de cette fille. Et tu continues à me dire qu'elle n'est qu'une cliente. Et ça empêchait d'avoir une cliente, maman. Chinelou, quel est ce genre de cliente qui se rend tous les jours à la maison de son client pour faire la cuisine et des fois y dormir? Dis-moi la vérité, Chinelou. Chinelou, si tu as envie d'épouser cette fille, dis-moi comme ça on ira voir ses parents ensemble. Hein? Maman. Exact, maman, je vais l'épouser. Exact. Mais ça ne devrait pas être aussi rapide, maman. Maman, il y a encore des choses que je dois connaître à propos de cette fille d'abord. L'étudier suffisamment afin que j'aille de l'avant. Hein? Pourquoi es-tu pressé? Des choses comme quoi? Chinelou, réponds-moi. Des choses comme quoi? Une fille qui vient ici tous les jours faire la cuisine et des fois, elle passe nuit. Quelle est cette chose que tu cherches à connaître que tu ne connais pas déjà? Hein? Maman. Chinelou? Maman. Tu vois la vie? Hein? Tu vois cette chose qu'on appelle la vie?
Si tu agis, on dira que tu agis. Si tu ne fais rien, problème. C'est pourquoi la vie n'est pas équilibrée. Maman, n'es-tu pas celle qui m'avait dit à moi, catégoriquement, que tu vois une femme a des différentes facettes de la vie. Une femme peut prétendre en présence de l'homme, mais après l'avoir épousé, elle va commencer à tout sortir. N'est-ce pas ce que tu m'as dit? C'est exactement ça que je veux éviter. C'est pourquoi j'ai dit, laisse-moi connaître certaines choses à propos de cette fille. On en est à peine à la première étape. Elle vient cousiner pour moi, laver mes habits et je la regarde. Petit à petit, on va y arriver avant que tu le saches. Nous arrivons et serons prêts à le faire. Hein? Maman, calme-toi. Quand j'aurai observé tout ça, je vais enfin prendre ma décision. Et là, je vais enfin venir te dire, maman, je suis prêt. Et là, après, on va commencer à voir comment faire... Chinedu interdit là de venir ici. Oui. Donc toute la cousine qu'elle n'a pas arrêté de faire pour moi tous ces temps, si tu n'as même pas aimé ça. Chinedu interdit cette fille de venir ici. Dieu qui est au ciel, tu m'as entendu. J'ai pas mâché les mots. Oui, j'ai tout dit. Hein? Quand les ballons vont éclater, je ne serai pas à blâmer. Ok. N'est-ce pas? Exactement. C'est toi qui seras blâmé. Tu me prends pour ton ennemi parce que je te conseille. Tu verras de toi-même. Dieu dans le ciel. Si cette fille arrête de venir ici, dis à maman de se préparer à commencer à laver mes habits. Et aussi préparer ma nourriture. Hein? Dieu dans les cieux. Maman, prépare-toi à commencer à laver mes habits. Et préparer ma nourriture parce que quand les ballons vont éclater, je ne serai pas là pour... Maman, tu vois que tu es en train de parler comme si tu t'adressais à un bébé. Hein? Chidima. Papa? Je veux que tu me dises la simple vérité. Qui est Chinedu? Papa? Eh bien, c'est un client régulier qui m'achète de fruits. Qui achète les fruits? Les fruits et quoi encore? Papa, non, il n'est qu'un simple client régulier. Et aussi devenu mon ami. Juste un ami. Et rien d'autre. Rien que ça? Dis-moi, je suis ton père. Dis-moi la vérité, pour ton propre bien. Il y a combien de temps que tu côtoies les messieurs? Visiter? Je ne suis allé que pour prendre l'argent qu'il me devait. Rien que ça? Oui. Papa? Tu sais, il y avait un temps, il me prêtait de l'argent. Oui, il le prêtait. Et il ne payait pas. Alors même la fois passée, il ne m'avait pas non plus payé. Alors la fois passée, je suis allée là où il travaille. Mais il n'était pas là. J'avais besoin d'argent que je pouvais alors ajouter pour acheter de la nourriture. Comme c'était insuffisant. Alors je suis allée chez lui. Pour prendre de l'argent. Dans sa maison? Pourquoi? Papa... Tu dis-moi, combien de fois as-tu couché dans la maison de cet homme? Combien de fois as-tu préparé pour lui dans sa maison? Oh! Aucune réponse. Tu es devenue sourde? Ok. Tu dis-moi, je suis ton père. Et je veux la vérité, rien que la vérité. Je vois tous les mouvements que tu fais avec cet homme. Et moi, en tant que père, en tant qu'ancien, ce que je suis capable de voir étant ainsi, tu vas monter sur toutes les montagnes, tu seras capable de voir ça. Oh, tu penses que je vais te demander de t'ingénuer ou commencer à te frapper pour que tu saches. Je veux que je me dise la vérité.
ne t'en fais pas. Tu verras une autre couleur de moi au moment où toutes ces bêtises seront dévoilées. Hein? Eh oh, Nem. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui t'a énervé? Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon père. Il est au courant de tout ce qui s'est passé entre nous. Il sait tout. Hey! Ton papa? Qui lui a dit? Je ne sais pas. J'espère qu'il ne t'a pas frappé. Non, mais il veut en être rassuré par moi. Néanmoins, il m'a parlé durement. Oh, Dieu. Hey, c'est bon maintenant, calme-toi, ça va aller, Je t'en prie, viens t'asseoir. Oh. Assieds-toi. Ça va aller, Tidilma. Puisque tout ceci n'est plus un secret. Je veux dire, ce n'est vraiment plus la peine de continuer à se cacher. Je suis d'ailleurs fatigué de jouer à ce cache-cache. Hein? À tout moment, il faudra qu'on se cache. Dieu merci, il a découvert. Comme ça, on va enfin pouvoir tout faire découvrir à tout le monde. Qu'est-ce que tu insinues? Ce que je veux dire, c'est... Tidilma. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu m'aimes? Non, vas-y, regarde-moi dans les yeux et réponds-moi par un oui ou un non. Oui, je t'aime. Bébé, mais... je t'en prie, pas de mais. Je t'en prie. Regarde-nous bien tous les deux. Ne sommes-nous pas en âge de nous marier? Hein? Essayons d'en finir avec tout ça. Laisse-moi venir t'épouser, comme ça on va enfin pouvoir passer les restants de nos jours ensemble. Je te comprends bien, essaie de te calmer. Tout ira très bien bientôt. Ça va aller. Ça va aller, juste. Maman. Maman, s'il te plaît, assieds-toi. J'aimerais qu'on puisse parler un peu. C'est pour ça que tu m'as appelé dehors? Pourquoi ne pas m'en parler dans la maison? Maman, puisqu'on est déjà ici, allons-y et parlons seulement. Et je sais que je ne te prendrai pas assez de temps parce que je sais qu'il est déjà très tard. Ok. Qu'est-ce que c'est? Maman, j'aimerais t'informer officiellement que je veux me marier. C'est vrai? Hey! Oui. C'est une bonne nouvelle. Attends. As-tu trouvé quelqu'un avec qui tu veux te marier? Exact, maman. Mais je m'étais dit de te le dire avant que je n'aille former l'oncle Nduka. Ah, avant toute chose, ramène d'abord cette fille à la maison et le reste, on le saura plus tard. Maman, pas la peine de faire tout ça parce que tu connais déjà la fille en question. Oui. Tu connais, tu dis maintenant, la fille qui vient souvent ici pour m'aider à faire certaines choses. Hey, mais toi, tu as parlé. Exact. Oh mais canaille. Maman. maman. C'est bien. C'est une bonne chose. Merci, Ginny, maman. Ginny est une bonne fille. Hey, une bonne fille avec un très bon caractère. Hein? Tu as mon soutien. Merci, maman. Tu sais quoi? Dès qu'Induka reviendra de la ville, hein? Tu iras directement l'informer. Ensuite, nous allons commencer les préparatifs du mariage. Hey. Merci, maman. Hey. Merci, maman. Ginny est mon fils. Maman. Tu es maintenant son nom. Hein? C'est une bonne nouvelle. Oui, maman. Oh, en tout cas, bonne nuit, mon fils. Oui, merci, maman. Toi aussi. I love you, die.
Ma chérie, s'il te plaît, essuie tes larmes. Hmm? Arrête de pleurer. Ton père veut le meilleur pour toi. Hmm? Il ne sait pas. Parce que s'il savait, pourquoi est-il contre ma relation avec Chinedu? Ma, n'y va pas là-bas. Parce que pour être honnête, je suis aussi parfaitement contre cette relation. Je te l'avais dit avant que tu es trop jeune pour ça. Pourquoi ne me donnes-tu pas juste ton oreille? Oublie Chinedu et concentre-toi de ton business. Et quand le tout sera normal dans ta vie, crois-moi, quand ça serait le temps, Dieu va te bénir avec un homme bon qu'on appelle Marie, qui va t'aimer et te chérir. Non. Il a promis de m'épouser. Chinedu a dit qu'il va m'épouser. Ouma, pourquoi tu es si têtue? Crois-tu que je peux te décevoir? Pourquoi tu fais la sourde oreille? C'est juste parce qu'il a promis de t'épouser? Hein? Je suis ton aîné. Et je continue de dire. Je sais comment sont les hommes. Et je sais de quoi ils sont capables de faire. Oublie un petit Chinedu. Je sais pas, je suis trop mal à l'aise avec ça. Essaye de parler avec mon père, s'il te plaît. Chinedu n'est pas comme ces autres hommes. Je le connais bien. Il n'est pas comme d'autres hommes, je te le dis. Tu as des preuves sur ça? Quelle est cette preuve que tu peux nous donner que Chinedu est différent des autres? Hmm? Ma, arrête de faire ça. Oh, désolée. Ça va, tu sais que nous t'aimons. Nous t'aimons beaucoup. Arrête de pleurer. Oh, c'est fini. C'est bon, maman. Ok, c'est fini. Excusez-moi. Bonjour, femme. Naï, bonjour. Je ne crois pas vous avoir déjà rencontré. Je ne pense pas non plus. Oui, on ne s'est jamais vu avant. Mais tu... Tu es à Kone. De la ville de Siodo. Oui, monsieur. Tu es la femme de cet homme qui est mort il y a quelques années. Naï, vous avez raison, mais je ne vous connais pas. Mon nom est Ondu Diopako. Okay. Oui, je suis dans Kama. Le royaume d'Ankama, c'est juste dans la ville proche ici. Hey, ravi de vous rencontrer. Je... Ou non. Ou non. Il n'est pas bon de faire du mal aux gens dans la vie. Un homme qui est fait pour détruire finit par être brûlé par un homme fou. Est-ce que tu comprends? Je m'étais déjà arrangé de venir chez toi à la maison. Demain dans la grande matinée. Pour venir prévenir ton fils. De laisser ma fille tranquille. Ton fils détruit ma fille. Et je veux que ça s'arrête. Sinon, je lèverai ma main sur ta famille entière. Naï, s'il vous plaît. Je suis désolée. Je n'avais pas prévu de vous rencontrer de cette façon. Ces problèmes, nous avons longuement discuté à propos de ça, mais on ne peut quand même pas en parler en étant debout. Mais ce n'est pas grave. Mon fils et moi, nous avons parlé à propos de ces problèmes il y a de cela quelques jours. S'il vous plaît, nous viendrons vous voir. S'il vous plaît, nous viendrons faire ce qu'il faut. C'est juste que le petit frère de mon défunt mari n'est pas ici. Il a voyagé, il était allé en ville. Et une fois qu'il sera de retour, nous viendrons immédiatement vous voir.
Nous attendrons juste son retour. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quoi que vous veniez faire chez moi à la maison, ma décision est irrévocable. Hein? De toutes les façons, comprends ceci. Une fois à la maison, avertis ton fils. Je répète, avertis ton fils. Demande-lui de laisser ma fille tranquille. À mon âge, je n'ai pas besoin de problèmes. Mais celui qui essaye de me chercher des problèmes finit toujours par les regretter durant toute sa vie. Désolé. Je n'avertis jamais quelqu'un deux fois. Parce que moi, je ressemble à un crapaud sous une feuille. Et sans problème comme quelqu'un, je danse à la danse spirituelle. Et je reste calmement dans mon camp. Et si quelqu'un se rend compte qu'il doit venir me déranger dans le mien, je finis par le détruire. Oh, désolé, monsieur. Chinelou, tu ne réussiras pas à me tuer. Il n'est pas temps que je m'en aille. Babe, tu n'iras nulle part, on ira tous ensemble. Hein? Ne sais-tu pas que ta présence ici me donne plus de force à faire ce travail? Hein? Mais je ne peux pas faire toute une éternité ici. Et qui a dit que tu resterais ici pour une éternité? Hein? Tu ne resteras pas ici pour l'éternité, c'est juste que si tu t'en vas maintenant, là, je vais me fatiguer. Hein? Ok, je suis là. D'accord. Hey, quand viendras-tu voir ma famille? Chidinma, ne t'en fais pas, je travaille. Hein? À un moment opportun, je viendrai. C'est juste que j'attends mon oncle qui avait voyagé puisse revenir. Une fois qu'il reviendra, on viendra. Souviens-toi, ma mère est une femme et elle ne peut m'accompagner dans un voyage comme celui-là. Ils ont besoin d'un ancien dans ma famille. Je ne veux pas non plus que mon père le prenne pour des aventures. Peu importe, c'est risqué et je comprends très bien. J'ai même entendu que l'autre jour, il avait stoppé ma mère en route et il avait rempli de toutes sortes d'insultes comme ça. C'est juste que ma mère, avec sa sagesse, n'avait pas voulu répliquer. Au contraire, elle était en train de le calmer. Car sinon, ça aurait pu être pire, mais c'est bon. Calme-toi, c'est pas d'accord? C'est ce genre de truc. Ah. C'est ce que je suis en train de dire, Chinedu. Présentement, hein, faisons la chose. Tous ces problèmes prendront fin. T'en fais pas, on le fera. Ok? Allez, souris. Allez, souris, regarde, mes mains sont très sales, je vais mettre ça sur ton visage. Oh. T'en fais pas, on va partir, d'accord? Okay. Drop my money, I got gum your body. Together, you and I, we got butter, baby. Enemy convection, not your problem, be later. Yeah, I don't send her, I cook on TK. Now we took a garden, I'll go. Il n'est pas encore revenu. La bonne nouvelle est qu'il reviendra la semaine prochaine. Hey. Mmh. Mais... Il reviendra la semaine prochaine. Hey. Qui est d'ailleurs sûr qu'il reviendra? Hein? J'étais là quand sa femme l'a appelé. Oui. Sa femme l'a appelé? Oui. Ils ont beaucoup causé. Il a dit qu'il aurait dû rentrer depuis longtemps. C'est Meka qui a retardé son retour. Oui, il veut rassembler assez d'argent pour les lui remettre. C'est ce qui s'est passé. Tu vois cette vie, maman? Ça là, c'est le même numéro que j'avais demandé depuis. Hein? Je lui ai demandé de me donner le numéro pour que moi je l'appelle afin que je puisse faire connaître mes intentions. Ils ont dit non, ils n'avaient pas le numéro. Voilà que maintenant, ils l'appellent. Mon fils, ne te dérange hein? pas pour ça. Hein? Ce que tu dois faire maintenant, c'est économiser de l'argent.
économise de l'argent parce que dès qu'il sera de retour, vous commencez directement les préparatifs du mariage. Oui, tu iras payer la dot de cette fille et la faire venir à la maison. Arrête-toi là! D'où viens-tu à cette heure? Bonsoir, papa. Et qu'est-ce qu'il y a de bon autour de ce soir? Tu dis ma tarif lui à parler? Et qu'est-ce qu'il y a de bon autour de ce soir? Oh, tu veux que je vienne proche de toi pour te forcer à parler, non, c'est non, ça? Non. Papa, la maman de Chinelo a dit que je dois y aller, que j'aille presser ses cheveux. Tais-toi, ferme ta gueule. Tu commences à bégayer, toi? Non, tu as automatiquement commencé à bégayer. C'est ce même Chinedu. C'est ce même garçon. Non. A banni toutes mes mises en garde. Ok, d'accord. Et si tu sais ce qui est bien pour toi, je veux voir ton dos maintenant. Fais demi-tour et rentre d'où tu viens maintenant. Rentre d'où tu viens maintenant, rentre. Insensé. Quel est ton problème? Hein? Non mais tu imagines. Hein? Laisse-moi te dire. Ton père qui te chasse de la maison à une heure aussi tardive de la nuit démontre à quel point il est méchant. Hein? Comment est-ce qu'un homme qui a donné naissance à un enfant, prétendant vraiment aimer cet enfant, pas seulement un enfant, on est en train de parler d'un enfant-fille là. On parle d'une fille. Si c'était un garçon, ça aurait été autre chose. On parle d'une fille. Tu l'as chassée de la maison et à cette heure-ci. Bien? Et c'est ce même homme que demain j'irai dire aux gens avec toute fierté, voici mon beau-père. N'est-ce pas toi qui l'as causé? Quand je te disais que je dois partir, tu as refusé. Et tu me disais que rien ne va arriver. Est-ce que cela justifie le fait qu'il t'ait mis hors de la maison? Non, dis-moi, est-ce ça sa justification? Un homme qui est responsable, un père responsable, n'aurait jamais mis sa fille hors de la maison. Ok, imagine le fait que tu ne me connaissais pas, que tu ne connaissais pas cet endroit. Qu'est-ce que tu serais devenu? La chose essentielle maintenant est que tu viennes et fasses de bonnes choses. Viens et paye ma dot. Épouse-moi. Alors tout ce que nous voyons prendra fin. Tu le crois? Mm. C'est bon alors. Viens. Ne t'en fais pas, hein? Viens. Très bientôt. Hein? Tu sais ce moment tant rêvé. Hein? Je vais dire très très bientôt. Je ferai tout ce qui est nécessaire. Hein? Je vais m'assurer de payer ta dot. Je vais payer absolument tout et tu deviendras mienne et je deviendrai tien. Tout c'est n'importe quoi va s'arrêter, tu le sais, non? Mm-hmm. Vas-y, souris, non? Hey. J'espère qu'il ne t'a pas frappé. Il ne t'a pas touché, n'est-ce pas? Mm-hmm. Ok. C'est comme si tu avais mis... Les cheveux sont vraiment soyeux. Gentille fille. Allez, viens. Comme ça, tu vas t'allonger. Mm? Viens ici. Vas-y, allonge-toi là. Vas-y, allonge-toi là. Ça va aller, t'en fais pas. Voilà que tu es encore en train de rire. Je sais que tu es content. Tu es content d'être ici, n'est-ce pas? Je ne te laisserai plus partir désormais. À présent, tu vis ici.
Nai, mm-hmm. On attendait ton retour, sinon on aurait déjà fini avec le préparatif de la présentation. Avez-vous contacté Ichie Moulier? Ah, oui, il était ici hier. C'est juste qu'on n'avait pas voulu te déranger parce que tu venais à peine de rentrer. Oui. Ok, alors, quelle date et jour que vous voulez que cette réunion ait lieu? Chinedu. Nae. Une quelconque date qui soit convenable et accessible pour vous sera parfait. Oh, c'est bien. Si tel est le cas, mettons alors samedi de la semaine prochaine. Aucun problème, Nae. Ok. Je trouve que c'est bon. Allez-y et envoyez-lui les messages pour qu'il soit au courant de notre arrivée. Ok. Aucun problème, Nae. C'est bon, Nae. Merci beaucoup. Merci infiniment, je vous en prie. Désolé d'avoir dérangé. Oh non. Chinedu est comme mon fils. Hein? Avant que je quitte, s'il vous plaît, vous devez essayer d'aller chez lui pour lui dire que nous venons. Nous ne voulons pas qu'il soit surpris. Aucun problème, Nae. Oui? Aucun problème. Ok, merci. Nae, permets-moi d'aller te trouver. Ne te dérange pas, je vais bien. Nae, pourquoi? Non, ne te dérange pas. Non. Hey, Abouba, merci. Oh. Ok, à la prochaine. Merci, Nae. Ok. Merci beaucoup. Eh oui. Ah, Dieu merci que ce trouble est en train de prendre fin. Ouais, ça fait partie de tout ça. Ah, alors, comment mon père a réagi lorsque vous avez demandé ma mère en mariage? Bien, ma mère... ma mère m'a dit qu'il n'a pas beaucoup parlé. Ce qui veut dire? Eh bien, il a dit que jusqu'à ce que nous venons, il va nous attendre. Il sera là à nous attendre. Je suis heureuse. Exact, et c'est ce que je veux. Je veux que tu sois heureuse. Merci. Je t'aime, tu dis-moi. Je t'aime aussi. Viens, je pense que tu as quelque chose entre les mains que tu dois me donner, n'est-ce pas? Allez, vas-y, donne-moi ça, donne-moi. Allez, donne. Allez, viens là, toi. Drop my body. I got on your body. Même si je ne sais pas pourquoi tu Tantine, danses. Hmm? Mon père a approuvé mon mariage avec Chinedu. Merci à toi. Je suis très contente pour toi, ma chérie. Merci. Mais honnêtement, ton père là est très dur pour le convaincre. Je sais. Il est vraiment compliqué. Hey, Dieu merci. Oh. Et maintenant, quelle est la date que Chinedu a prévue pour venir officialiser? Il a dit le samedi de la semaine prochaine. Samedi de la semaine prochaine. Regarde comment tu es heureuse. C'est comme de la blague. Oh. C'est moi comme ça que je veux te marier. Ok, oh. Ma chère, je ne veux pas paraître comme si je n'étais pas heureuse pour toi. Mais pour être honnête, Ouma, je ne sais pas pourquoi je ne sens pas ça vraiment. Je n'ai jamais vu du sérieux en lui, ton mec Chinedu. De toutes les façons, si tu m'invitais, je viendrai. Tu es invitée. Quelle est cette occasion que tu peux rater? Tu es l'invitée spéciale. Tu es la numéro 1. Je veux manger le poisson et le poulet qui sera là. Il faut beaucoup réserver pour moi. Bien sûr, bien allez, s'il te plaît, continuons à danser et puis nous allons entrer à l'intérieur parce que nous devons célébrer ça. Ok, viens à l'intérieur. Il y a toute la nourriture. Oh. Chinedu,
C'est quoi le problème? À quoi est-ce que tu penses? Maman, sais-tu que demain c'est dimanche? Oui. Maman, c'est le même jour que nous avons promis au père de Chidinma que nous viendrons pour demander la main de sa fille. C'est demain qu'on est censé le faire. Oui. Maman, mais au moment où je suis en train de te parler, je suis incapable de le faire. L'homme pour qui j'ai acheté le moteur a refusé de me payer. Il s'est complètement moqué de moi. Quoi? Maman, je suis confus. Je sais vraiment pas quoi faire. Chinedu, es-tu en train de blaguer ou quoi? Hein? Comment pourrais-je me rendre chez Ndoudi et lui dire que demain le mariage n'aura pas lieu? Hein? Hey! Hey! Tu aurais dû m'en parler depuis longtemps. Hein? Tu aurais dû me le dire depuis longtemps. On allait déjà commencer à chercher la chèvre noire avant que la nuit n'arrive. Ok, c'est bon, qu'allons-nous faire maintenant? Hein? Hein, Chinedu? Maman, ce n'est pas ma faute, non. Hein? J'ai pensé avoir cet argent avant dimanche, c'est pourquoi j'avais dit ça. Hein? Oui, hier, quand vous étiez venu me chercher, je m'étais déjà rendu au lit. Alors, aujourd'hui, quand je me suis réveillé, je me suis décidé de venir vous voir. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Naï, je suis foutu. Mes yeux ont vu mes oreilles. Je ne sais comment te le dire. L'inexplicable est arrivé. Qu'est-ce qui se passe-t-il, femme? Allez droit au but. Ne parle pas en parabole. Naï, n'est-ce pas que c'est aujourd'hui dimanche? N'est-ce pas que c'est aujourd'hui qu'on était censé partir à la belle famille? Oui, aujourd'hui c'est dimanche. Il était allé voir Kansodi. Il ne l'a pas fait. Alors? C'est Chinedu qui m'a appelé hier pour me dire qu'il n'a rien. Il n'a rien du tout. Même pas un centime. Il paraîtrait que l'un de ses clients l'a trompé. Imagine un peu. Hein? Eh oh! Qu'allons-nous faire maintenant? Les mots me manquent. Si tu me poses cette question, à qui est-ce que je la poserai? C'est pour ça que j'étais venu chez toi hier pour voir si tu peux m'aider et me faire sortir de cette honte. Naï, s'il te plaît, peux-tu m'aider avec un peu d'argent? Je te le remettrai plus tard pour que nous puissions aller résoudre ces problèmes. S'il te plaît. Je pourrais vraiment le faire, mais tu sais que je n'en ai pas. Hey. Ces derniers temps, je vis de l'argent de quelqu'un que mon fils m'avait envoyé. Comme je te l'ai dit à présent, même un franc, il n'y en a pas. Hey! Naï, je suis foutu. Hein? Que vais-je faire? Je ne sais même pas par où commencer. Hein? Je ne sais pas comment je ferai pour aller voir la belle famille et leur dire que le mariage est annulé. Que... Hey! Hey! Cet enfant veut ma mort. Bien, le moment est très difficile. Mais il faut le faire. On bat les fers quand il est chaud. Chérie, ça va aller, hein? Tu n'as pas du tout à pleurer pour tout ceci. Alors, on ne sait jamais, Dieu seul sait ce pourquoi il n'a pas permis à ce que ça arrive. Hein? Il sait pourquoi il n'a pas permis à ce qu'on fasse ce rituel de vin hier. Ça va aller, chérie. Ça va aller. Si tu me demandes, je dirais que ton père a raison. Exact. Il devrait être en colère après tout le monde à propos de ceci. Parce que même moi, je ne suis pas content de moi-même. Hein? S'il te plaît, comme je te l'ai dit, Dieu sait pourquoi. On ne va pas se tuer à cause de tout ceci. Je t'en prie. Tu pleures toujours? Hein? Après tout ce que je t'avais dit? Maman, hier était le jour où Chinedu devait venir pour voir ma famille. Tu as raison. Mais n'est-ce pas qu'il t'a dit que l'un des six clients l'a déçu? Hein? Hein? Je t'en prie, ma fille, ça va aller. Dieu sait c'est pourquoi. Si ça ne marche pas aujourd'hui, cela veut dire que demain ça marchera.
Ça va aller, ça va aller. Oh, tu n'as pas à être confuse, ma fille. Tout ira bien. Essuie tes larmes. Oh, tout est sous contrôle. Oh, et non, rejoins-moi derrière la maison, ok? Laisse-moi aller voir ce que je faisais. Vas-y avec maman, d'accord? Ma, c'est bon, non, ça va aller. Oh, ne pleure pas. Oh, ne pleure pas. Bonjour, tu t'es réveillée tôt aujourd'hui et tu balayes déjà. Oui maman, je me suis réveillée tôt pour faire le travail ménager. Oh Eya, c'est vraiment gentil de ta part, c'est ça. Merci. Ma fille. Merci beaucoup. Continue. Hein? Merci maman. C'est pour ça que je suis venue. Mmh. Tu demeures une très bonne fille. Je le confirme. Hey. Mais cela ne te permettra pas de garder la fille d'autrui dans ta maison sans pour autant le consentement de sa famille. S'il te plaît, quand tu arrives à la maison, dis à Chidema de retourner chez ses parents. Elle doit nous attendre. Si nous finissons avec les mariages coutumiers, c'est alors que le père rentre te rejoindre. Là, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que ça s'est fait. Mais, Naï, je suggère que nous puissions prêter de l'argent et soutenir mon fils et réaliser ce mariage. Ma chère, ne faut pas faire ça. Tu ne dois pas emprunter de l'argent pour que quelqu'un commence quelque chose. Nous devons garder d'abord la personne, voir si elle est partie, voir si la personne est sérieuse dans ce qu'elle fait, avant de l'aider. Alors, que Chinedu nous montre de quoi il est capable avant de l'aider. Alors, qu'est-ce que tu suggères? Rentre à la maison. Dis à Chidima de retourner chez ses parents. Point final. C'est bon, dans ce cas, je crois que je dois partir. Mais, qu'en est-il de ton frère? Mon frère, il est déjà parti. Naï. Naï, aide-moi, cause avec ton frère. Dis-lui de se calmer. Qu'il arrête avec sa colère. Hein? S'il te plaît. Dis-lui d'oublier à propos du passé. Il ne peut pas continuer à vivre avec des rancunes du passé. Oh? Ok. S'il te plaît. Ok. Aide-moi à lui parler, je t'en prie. Je t'en prie, cause avec lui. Je viendrai prendre de nous. Pas de problème. Merci. Bye.
À la prochaine. Pourquoi ça? Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi. Oui, monsieur. Bienvenue. Merci, monsieur. Assieds-toi, s'il te plaît. Ma mère m'a dit que vous m'avez demandé. Elle a dit que je devais vous voir après avoir fini le boulot. C'est ça pourquoi je suis là, monsieur. Je vous écoute, Naï. Comment va-t-elle? Elle? Naï, de qu'est-ce que vous parlez exactement? Cette fille qui est chez toi. Tu dis ma. Elle est rentrée? Oh non, Naï. Qu'est-ce qu'elle continue à faire là-bas? Elle fait quoi là-bas? Naï, tu dis moi la fille que je compte épouser, bien sûr. Mais vous n'arrêtez pas de me demander. C'est comme si vous étiez en... La fille que tu comptes épouser. Un simple noix de cola ou la dot, tu n'as pas payé. Hein? Et tu cherches l'épouser? Laisse-moi te conseiller en tant que père. Une fois pour toutes. Si tu arrives à la maison, demande-lui de retourner chez elle. Jusqu'à ce que tu seras prêt pour payer la dot. C'est alors qu'elle sera ta femme. Ça s'est fait comme ça. Est-ce que tu me comprends? Merci, Naï. My life, it undershine. Just my money, I got come your body. Together, you and I, we got born a baby. Enemy convection, not your problem, be that. Où est cette fille? Où est-elle? Où est cette fille qui se considère ma fille? Où est-elle? Où est cette fille qui se considère ma fille? Et tu es d'où? Tu es d'où? Je veux voir ton visage ici maintenant. Viens ici maintenant. Viens maintenant. Je veux en finir avec toi. Je veux voir ton visage. Easy Gaga. Oh oh. Easy Gaga. Oh. Oh. Attends là, attends-moi. Tu vas répondre cette bêtise. Tu vas recommencer. Tu recommences. Tu vas faire encore. Hein? N'importe quoi. Insensé. Reviens ici. Reviens, je dis. À genoux. À genoux, je dis à genoux. Quel genre de fille es-tu, Chidima? Quel genre de fille qui ne comprend pas les conseils? Je t'ai averti, je t'ai averti à plusieurs épisodes. Tu ne m'as pas écouté. Et dis-moi qu'est-ce qui est en train de te prendre. Une fille qui va courir après un homme. Au point où tu acceptes d'aller vivre avec cet homme. Et sans l'avoir contraint à venir t'honorer. Il suffit que j'apprenne quelque chose. Comme quoi tu es allé voir cet homme. Ou tu es allé dans sa maison. Je serai celui qui va te tuer de mes propres mains. Je vais te tuer et t'enterrer seul. Je te tiens à l'œil. Je te tiens à l'œil. Je te tiens à l'œil, sage-lé.
Bonjour Naïdoudou. Naïdoudou, je vous salue. Ne me salue pas. Arrête de me saluer. Qu'est-ce que je fais de mal? Tu as fait beaucoup de mauvaises choses. Imagine, tu es un de Roma. Comment? C'est toi qui étais venu me parler avec un son, comme si je devais croire à ce garçon. J'ai cru en lui pensant qu'il allait venir épouser ma fille. Maintenant, où est-il? Où est-il? Est-ce que tu peux répondre à ma question? Est-ce qu'il est venu répondre à son engagement? Comme vous êtes entendu? Est-ce que c'est comme ça qu'on fait les choses? Attention! Je ne suis pas facile à gérer. Sache que c'est maintenant vous qui confondez ma fille. Mais je vous assure, après tout, je découvrirai la racine de ce problème. Je la découvrirai. Et si je découvre Ichakuta, si j'arrive à la découvrir, Ichakuta, je vous ferai des choses. Les bons esprits dansent à la mélodie des gens de bon cœur. Autrement dit, si vous osez tomber de cette façon, vous rencontrez le diable. Je découvrirai le tout. Je le découvrirai. Hey! Es-tu le sérieux? C'est pas moi, oh. Ça va aller, ça va aller. Désolé, désolé, désolé. Hein? Non, mais ça veut dire quoi ça, non? Hein? Comment est-ce qu'un homme... Ça, c'est la preuve concrète que ton père est un monstre. Hein? Comment est-ce qu'un homme qui se fait appeler papa peut faire ça à sa propre fille? Hein? Sa fille unique, d'ailleurs. Non, mais ça veut dire quoi tout ça? Hein? Si seulement je pouvais gérer dans cette maison pour lui apprendre une bonne leçon. Que faisons-nous maintenant? Je suis confuse. Je ne sais même pas quoi faire. Je suis en train de penser qu'on peut fuir. Non, tu ne vas pas t'enfuir. Non. Laisse-moi te suggérer quelque chose. Tu vois cet endroit? Tu peux rester ici pour te cacher, sans même aller dehors. Jusqu'à ce que je trouve une prochaine action que nous allons poser. Mais okay? Il viendra vers toi s'il apprend que je suis dans ta maison. Bébé, ne t'en fais pas pour ça. Je vais m'occuper de ça. Tu as entendu? Je vais m'occuper de ça, t'en fais pas. Si seulement tu avais vu comment il m'avait frappé. Désolé. Tu es en sécurité ici maintenant, oh? Oh, Akule. C'est chez toi que je suis en train de partir. Hein? Oui. Il n'y a pas de problème. Nous pouvons toujours partir chez moi si tu as quelque chose d'important à me dire. Là où j'ai parti, c'est pas aussi important. Ce n'est pas nécessaire. C'est une très courte discussion. Mais de très important. Hein? Ok. C'est bien. Notre peuple a dit, tous ces dons nous arrivent pendant la nuit. Ça doit justement aller jusqu'à la troisième nuit. Et tous ces dons, nous nous rappelons encore, c'est difficile de nous en débarrasser. Pourquoi vous jouez avec la queue du lion qui s'endort? Naï. Oui? Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu parles en parabole. S'il te plaît, utilise un langage que je vais facilement comprendre. Ok. Je t'ai bel et bien informé que Tidima continue à rester encore dans ta maison. Qu'est-ce qu'elle fait là? Tu peux me répondre. Oh, elle a trouvé un refuge chez toi pour se sécuriser parce qu'elle était frappée par son père. Bien. Mais ça fait un mois que je ne cesse pas à vous dire de la laisser retourner chez son père. Écoute-moi te dire ceci. Un être humain. Nous avons des sortes d'êtres humains dans ce monde. Ceux-là qui écoutent les conseils et ceux-là qui ne l'écoutent pas. Et j'en avais parlé à Chinedu. Alors, je te l'ai dit maintenant comme un avertissement. Si quelque chose de mal arrive à cette fille, Walaï, moi, Induka, vous ne me verrez nulle part. Je te l'ai dit.
Désolée. Désolée. Mais c'est trop. Tu veux m'arrêter? Non, non, s'il te plaît, arrête, s'il te plaît, ça fait très mal. Comment est-ce qu'il a pu te faire ça? Chidima. Maman. Donc ta mission dans cette maison, c'est de tuer mon fils avant son heure. Maman. C'est ça? Maman, qu'est-ce qui ne va pas, non? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Chidou, regarde ton corps. Regarde-toi. Laisse cette fille partir. Qu'elle rentre chez son père. Regarde-toi. Chinedu, regarde-toi. Regarde ce que son père t'a fait. Tu as vu de tes propres yeux et tu me demandes qu'est-ce qu'il y a. Hein? Maman, je t'en prie, arrête. Arrête, je t'en prie. Ça veut dire quoi tout ça? Arrête, non? Bébé, s'il te plaît, n'écoute pas. Est-ce que tous les deux, vous avez une maison? Hein? Si tel est le cas, alors faisons ce qu'il faut. Maman, je suis d'ailleurs confuse à propos de tout ceci. Rentre chez ton père. Laisse mon fils tranquille. Chinima, rentre chez vous. Tu es une bonne fille, je le sais. Mais tu dois rentrer chez ton père. Il est temps pour nous de venir avec la dot. Maman, elle n'ira nulle part. Ok? Tu n'iras nulle part. N'écoute pas ce que dit maman, hein. Chinedu. Maman. Chinedu. Maman, elle n'ira nulle part. Chinedu. Ne t'en va pas, s'il te plaît. Quand le feu va s'enflammer, tu ne sauras pas l'éteindre. Laisse-la partir. Maman, ça veut dire quoi tout ça, non? Maman, mon amour, je t'en prie. Moi. Non, non, s'il te plaît, reste. Je t'en supplie, ne pars pas. Tu veux me quitter maintenant? Je n'ai pas du tout aimé ce que ta mère a dit. Il serait mieux que je parte. Non, non, je t'en prie, ne fais pas ça. Je te l'ai dit à plusieurs reprises, n'écoute pas ce qu'elle est en train de dire. Je t'en prie, je ne veux pas que tu partes. Je t'en prie, ne pars pas, je t'en prie, assieds-toi. Mais je ne supporte pas te voir comme ça, non? Hein? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Juste reste avec moi, je t'en prie. Reste là. Reste. Donc. Désolée. Aïe. Que j'apporte de l'eau chaude? Oui. Aïe. Ok. Oh. Mes frères et sœurs en Christ, les derniers jours arrivent. Repentez-vous de tous vos mals. La parole de Dieu nous dit que le pécheur mourant. Je parle du péché, je parle de fornicateurs, les adultères, les impudiques, ceux qui convoitisent. Parlons de la convoitise. Il y avait un exemple, il était mort en étant un lépreux à cause de la convoitise. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si tu es un homme à cet endroit et que tu vis avec une femme sans toutefois payer sa dot, tu es un voleur. Et si tu es une femme et que tu vis avec un homme sans toutefois payer ta dot, tu es aussi une voleuse. Si tu te donnes de l'argent pour faire juste du shopping, et que tu t'as mise en prenant ces choses, tu es aussi une voleuse. Détourne-toi de ta vie du péché pour vivre une éternité. C'est pas étonnant. Les imposteurs disent que la grâce de Dieu tombera sur eux. Détrompez-vous. Tout celui qui pratique le péché doit mourir. Repentez-vous de vos péchés, car l'enfer est réel. Tu ne vas pas dire que quelqu'un t'avait rien dit le dernier jour. Tout ce que tu as fait comme péché, tu t'es détourné contre Dieu, tu dois sortir de là. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Sois né de nouveau, donne ta vie à Jésus-Christ, car l'enfer est réel. Ainsi dit l'Éternel.
Détournez-vous de tous vos péchés. Je dis repentez-vous car les jours sont mauvais. Les derniers jours approchent. Repentez-vous. Repentez-vous. Toi, pécheur. Toi, un homme méchant. Repente-toi de tes péchés. Repentez-vous de vos péchés. L'affaire est bel et bien réelle. Repentez-vous. Est-ce que ça veut dire que je suis un voleur? Hein? Quel genre de prédication est ça? Ah. Vous les femmes, toujours là, vous comportez comme des fillettes et voilà maintenant que vous racontez n'importe quoi comme ça. Mon ami? Hein? Ah ah. Tu es là? Oui, je suis ici. Je me t'ai dit de me reposer un peu avant que l'un continue. Ok. Mon ami, cette porte en train de donner des sérieux problèmes pour la fixer. D'ailleurs, j'ai appelé un professionnel pour les fermer, mais il a refusé. Tu as appelé? Alors j'ai décidé de la faire. Je parle de celui-là, non, mon client de confiance. D'accord, c'est pas mal. Mais tu dois apprendre que tu vis pour ton propre bien. Alors fais-le par toi-même. Tu dois le faire toi-même. Je ne sais pas pourquoi ce que tu fais appel pour que d'autres personnes viennent. Le problème, c'est que le gars a dit qu'il doit voyager d'ici là. Alors je me suis dit de la réparer moi-même. Ok. C'est ce que je pense. Est-ce que tu as suivi la prédication? Prédication? Quelle prédication? Je te parle de la prédication. Tu ne connais pas cette dame-là? Oh! Ok! Non, te préoccupe pas de ces gens qui disent n'importe quoi. Écoute, je te jure, ce sont tous des faux. Que des faux prophètes, des faux évangéliques qui viennent raconter n'importe quoi dans nos villages. Ne te préoccupe pas d'eux. Ne pas s'occuper de qui? Mais je parle de tous ces prédicateurs. Non, oublie un peu tout ça. Mais tu sais, il y a quelque chose que cette dame avait dit qui m'a captivé. Hein? Juste au moment où elle avait fait cette déclaration, hein? Mon esprit avait repris vie. Ça prouve que sûrement tu es coupable de ça. Hein? C'est parce que je suis coupable de ça. Hein? C'est pourquoi ton esprit s'est réveillé. Maintenant, tant que je dis ce qu'elle avait dit. Hein? Parce que c'est cette chose qu'elle avait dite qui m'avait captivé. Ok. Elle avait dit, tout un chacun qui vit avec une fille qui... et qui n'a pas encore payé sa dot est un voleur. Ikenna, laisse-moi. Hein? Laisse-moi tanker cet après-midi. Non. Ça veut dire quoi? Je parle de Chidima. Depuis quand est-ce que tu es devenu un nez de nouveau? Et voilà que tu parles de Chidima. Hein? Tu vois tous ces prédicateurs, je n'aime pas les écouter d'ailleurs. Ils ne sont que des faux prédicateurs des différentes églises. Uh-huh. Ils viendront te parler de la dîme. Disant que la Bible dit qu'il faut payer la dîme. Ancien Testament, oh. Et ils sont là, ils vont parler de d'emmener de l'argent pour le développement de l'église. Mm. Ou ils vont parler d'emmener de l'argent pour pouvoir acheter la veste du pasteur. Mm-hmm. Ou bien emmener de l'argent pour faire ceci. Ils sont toujours là à parler d'un argent à un autre. Alors je n'aime pas les écouter, tu vois. Et moi toi? Je suis conscient de ce que je fais, pour ton info. Mais particulièrement, cette dame, elle n'a pas parlé de l'argent. Hein? Est-ce qu'elle avait parlé de l'argent? Mais elle n'a même pas parlé. Elle n'a même pas parlé de la dîme ou que vous devez apporter vos offrandes. Elle avait dit. Elle avait parlé de fornicateur. Elle avait parlé de l'adultère. Elle avait parlé de quelqu'un qui vit avec une autre personne dans sa maison. Iken. Est-ce qu'elle avait parlé de l'argent dans sa prédication? Iken, es-tu un voleur? Moi, voleur? Exact. Si tu n'es pas un voleur, n'es-tu pas celui qui était allé acheter des sièges à cet endroit et que tu t'es allé en acheter des faux? Moi? Arrête-moi tout ça. Réponds-toi. Cette prédication était pour toi. Dégage. Hey, viens, où vas-tu? C'est à toi que je parle. Ne m'appelle pas Ikenna. Ikenna. Tu vois, cette dame-là, juste au moment où elle était en train de prêcher, je me suis dit, oh non, cette prédication appartient à Chiedu. Ok, Chi ne vit pas avec moi, mais plutôt toi. Dégage. Tu vis avec Chiedima et puis vous voyez ce que vous faites ensemble. Beau frère, bonjour. Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je te salue, je viens dire bonjour. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je viens au sujet de nos enfants.
Je t'écoute. S'il te plaît. Je veux que tu te calmes. S'il te plaît. Pour l'amour du ciel. Apaise-toi. Hein? Très bientôt, nous viendrons faire ce qu'il faut. Je t'en prie. C'est juste que mon fils, récemment, il a des problèmes financiers. Mais je suis sûr que quand tout redeviendra à la normale, nous viendrons arranger les choses. Je te parle et tu dors. Oh, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que tu viens de dire? Ce que je viens de dire est que donne-nous un peu de temps, s'il te plaît. Donne-nous le temps de rassembler de l'argent et nous viendrons pour la présentation de ta fille, s'il te plaît. C'est ce que je voulais dire, hein? S'il te plaît. Hein? As-tu fini avec mon serment? Serment? As-tu fini avec le serment? Non, je ne comprends pas ce que tu dis. Serment? Tu ne comprends pas. Je vais t'expliquer. Qu'est-ce qu'il veut dire, juste? Choisis entre le fait que tu quittes ma maison ou que je l'utilise sur toi. Naï, j'ai peur. Mais au juste, qu'est-ce que vous faites? Je n'ai rien fait, moi. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Bonjour. Oga, qu'est-ce que vous cherchez? Je suis là pour une mission spéciale. Complet de votre fille disparue. Le nom complet de ma fille disparue est Goudemé Chidima. C'est Chidima. Et moi, mon nom c'est Dodé. Son nom c'est Chidima Dodé. Voilà son nom complet. Monsieur, c'est son âge? Oui, et la voisine est 18 ans. Monsieur, dis-moi tout concernant sa disparition. C'est une très bonne question. Chidima, ma fille, est partie de la maison il y a 2 jours. Et je l'ai cherchée dans toute cette communauté, mais elle est introuvable. Elle n'est jamais revenue. Je suis allé la chercher dans d'autres communautés, mais elle n'est toujours pas trouvable. Je n'ai pas eu non plus de ses nouvelles, je ne l'ai pas vue. Est-ce qu'elle a de querelles avec certaines personnes ou tu l'as déjà frappée jusqu'à ce qu'elle fuit la maison? Officier, elle n'est sortie avec personne. C'est juste que je me rappelle, on a eu des problèmes avec père et fille. Il n'y a pas eu de querelles et je me rappelle qu'elle a querellé avec personne. Est-ce que tu comprends? Rien du tout. Chidima est mon unique fille. Et par-dessus tout, c'est l'unique fille que j'ai. Officier, le pire, c'est que le kidnappeur, ou est celui qui a gardé mon fille, a refusé de m'appeler, hein? Alors c'est de me contacter pour au moins chercher la rançon. Pour négocier, je suis prêt à payer, je suis prêt à collaborer.
C'est mon unique fille. Je vous ai écouté, monsieur. Messieurs, je veux vous assurer que nous ferons de notre mieux. Nous allons appeler d'autres postes de la police pour savoir s'ils ont quelques informations nécessaires. Oh, merci beaucoup. Et si aussi c'est kidnapping, si tu as quelques informations que nous devons savoir, vous devez. Je le ferai, honnêtement. Au fait, je suis très heureux. Merci beaucoup. Merci, oui. Monsieur. Et s'il y a eu une petite information, même un très petit indice, je n'hésiterai pas de venir vous le faire savoir. Oui, monsieur. Oui. Merci beaucoup. Est-ce monsieur. Que je peux avoir votre numéro? Oui, monsieur. Oui, merci. Monsieur. Merci. Alors, appelez-moi votre numéro. 080. I got gum your body. Together, you and I. We got butter, baby. Enemy convection. Not your problem, be that. I don't send her. I cook on TK. Now we took the cardinal call. EG in TK. Je suis sur le point de dire, c'est ce que je dirais exactement à ma propre fille. Nous savons que ce que Dieu a uni, personne ne peut le séparer. Chinelo et toi, vous vous aimez. J'en doute pas. Mais il n'y a qu'un vivant qui peut raconter l'histoire demain. Maman, que veux-tu que je fasse maintenant? Rentre à la maison. Rentre chez ton père. Mais c'est lui-même qui m'a chassée. Ah. Sûrement, il l'a fait parce qu'il était en colère. Si tu répares maintenant, il ne va pas te faire du mal. Hein? Il ne le fera pas. Chinelo a dit que je ne peux pas partir. Il doit sûrement avoir dit ça parce qu'il voulait te consoler. Hein? Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand cela va durer? Es-tu en train de dire que vous n'allez plus m'épouser? C'est pas ce que j'essaie de dire. Loin de là. C'est pas ce que je vais dire. Mais s'il faut faire quelque chose, tant mieux le faire bien. Rentre chez ton père. Rentre chez vous. Plus tôt tu le verras, mieux sera. Hein? Je ferai ce que vous avez dit, maman. Merci. Merci, ma fille. Hein? Tu es une bonne fille. Et je t'apprécie beaucoup. Mais, tel que nous sommes là en ce moment, nous n'avons pas d'argent pour venir payer ta dot. Mais pour l'instant, tu dois rentrer chez ton père. Il est temps pour nous de trouver de l'argent et venir t'épouser si jamais on le fait. En ce moment-là, tu deviendras notre femme. Oh? Inou? Ok? C'est bon. Je dois me rendre chez Naïm Douka et discuter avec lui à propos de ses problèmes. Je ne veux pas avoir de problème avec ton père, pardon. Je ne veux aucun problème avec ton père, tantine, pardon. Tu dois m'aider. Aide-moi, s'il te plaît. T'aider? Comment? Attends un peu, je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parle-lui. Que je parle avec lui? Tu démentis, me demande d'aller parler à ton père. Après tous ces embarras que j'ai eus, et c'est juste à cause de toi. Hein? Ça, c'est pas juste, non? Tu sais comment ton papa est difficile et tu me demandes d'aller lui parler. Pour l'instant, je ne peux pas le faire. Je ne peux même pas approcher de votre maison. Sans pour autant qu'on ne parle, qu'il a été voir la police pour dire que tu as été kidnappé. Et maintenant,
Je ne suis même pas à l'aise que toi, tu sois là chez moi maintenant. Tantine, ne dis pas ça, non. Tantine, ne fais pas ça. Je ne sais quoi faire, je ne sais quoi faire. Ça encore. Se voit que tu me cherches les problèmes. Ouma, s'il te plaît. Pardon. Tantine, je ne te mets pas dans le trouble, non. Juste aide-moi pour cette fois, s'il te plaît. Tantine, tu t'en vas. Ne me fais pas ça, s'il te plaît, Tantine. Tantine, Neka. C'est l'injecteur. Oh. Tu travailles sur ça depuis le matin. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? L'injecteur. Ça n'arrête pas de sonner. Tu sais comment tout ça marche? L'injecteur envoie l'essence vers le radiateur et le renvoie vers le détonateur et puis va retourner vers le catalyseur. Mon cher, c'est pouvoir, bon. Est-ce que tu je sais comment ça marche, non? Est-ce que tu me l'apprends? Ok. Toutes ces choses, quand tu me parles de l'injecteur, je ne suis pas un apprenti. Je le sais, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai juste remarqué qu'il y avait de la saleté à l'intérieur, alors j'ai voulu le vider. Alors j'ai essayé de l'isoler ici, mais je ne l'ai pas fait trop parce que ça pourrait commencer à sonter. Alors j'ai décidé de retoucher le tube d'injection. Mais le tube en question, il a l'air vraiment très lent, et c'est comme si on l'avait déjà ouvert, et il a l'air vraiment très coincé. Ça m'a vraiment pris du temps, oui, ça m'a vraiment pris du temps. Je m'étais dit d'essayer de... Ok. J'utiliserai les tuners. Tu sais que si tu... j'utilise les tuners et les jette à l'intérieur. Essaye de te calmer. J'espère que le propriétaire de cette voiture te payera mieux pour ses doubles travaux. Ah, tu ne connais pas cet homme-là. Lui, c'est mon client régulier, non? Prendre de l'argent chez lui ne sera pas du tout un problème. Oui, je l'aurai, bien sûr. Il va payer. D'accord, alors. Et oui, il y a encore une nouvelle eau. Qui a dit? Tu es toujours là à entendre n'importe quoi. Non, mais je sais que tu es le seul qui me dira la vérité. Est-ce vrai que... le père de Chidima était allé à la station de police et avait fait une déposition que Chidima a été kidnappé. Est-ce que c'est vrai? Hein? Oh, tu ne sais pas? Qui te l'a dit? Ce n'est pas vrai, oh. Donc tu ne sais pas? Comment serais-je? Ne suis-je pas ici en train de travailler avec toi? Comment serais-je, dis-moi? Un ami à moi qui était là lorsque le père de Chidima faisait sa déposition, mais l'a dit. Hey, kidnappé? Comment? Peu importe, ça ça le concerne lui. S'il veut bien qu'il aille rapporter ça à la FBI. Ça c'est son problème à lui. Attends, tu es mon ami. Je t'en supplie avec Dieu. S'il te plaît, c'est maintenant bien pour toi. Pour ton propre bien. Va maintenant à la maison et chasse Chidima de ta maison pour sortir de ses problèmes. Mais elle n'habite plus dans ma maison. Plus dans ma maison. Alors comment vais-je aller chasser quelqu'un qui n'habite plus dans ma maison? Elle n'est plus dans ma maison il y a très longtemps. Es-tu sérieux? Oui, non. Ah. Hein? Alors, où est-elle maintenant? Je sais pas où elle se trouve, oh. Hein? Ça veut dire quoi que tu ne sais pas où elle est? Quelqu'un qui est supposé être ta femme. Hein? Ne me dis pas que tu ne sais pourquoi pas. Pourquoi me demandes-tu à propos d'études? Est-ce que tu deviens le gardien de Chidima? Ne me dis pas que c'est vrai, oh. D'ailleurs, son père lui a demandé de ne plus venir dans ma maison parce que je n'ai pas encore payé sa dot, alors c'est ce qu'elle a fait, elle est rentrée. Elle a stoppé. Alors, je devais laver mes mains de tout ce qui l'a concerné jusqu'à ce que je puisse avoir l'argent pour pouvoir faire la cérémonie du vin. Ok, parce que le papa a dit que tu dois cesser de partir chez eux. Alors, tu ne chercheras pas à savoir qu'est-ce qui dérange Chidima? Non, mon ami, hein, arrête ça. Comment peux-tu dire que tu ne sais pas? Je ne comprends plus rien, sérieusement. Oh. Quelqu'un avec qui vous faites ça? Papa. Avec qui vous embrassez? Non, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que ça te tue là-bas? C'est bon, alors, es-tu sûr de ce que tu me dis? Je suis sûr, je te dis que je ne connais pas là où elle se trouve. Moi, je parlais au contraire de ça. Sérieux, ça m'a donné beaucoup de travail. Est-ce que j'espère c'est que bon, cet homme va amener cette voiture? Comme tu dis que c'est la vérité. S'il te plaît, donne-moi ta clé de 12 sur 13. Va dans mon sac à outils, tu trouveras ça là-bas. Je suis sûr de ce que je te dis. Tu veux dire que ça ne se trouve pas ici? Je dois aller travailler. Comme tu peux le voir, je suis en train de me concentrer pour finir avec tout ça. Cet homme viendra très bientôt pour pouvoir l'emmener. Pas de problème alors.
Donne-moi alors la clé 19. Va dans la boîte à outils, non? Je n'ai pas la clé 19 ici. Va dans la boîte à outils. Arrête ce que tu fais. Je n'ai pas envie de commettre des erreurs. Donne-le-moi, j'utilise. Donne-moi la clé maintenant. C'est quoi ça? Je l'utilise, je viens de te le dire, non? Oui. Tu ne vas pas me la donner? On dirait un moustique. Ça commence maintenant. Tu veux que je pointe partout avec cette boîte à outils jusqu'à cet endroit? Non, pas de problème. Va le prendre dans la boîte à outils. Arrête de me déranger. Non, pas de problème. Tu ne pourras plus jamais de toute ta vie. Venir emprunter des outils auprès de moi. Le moment est venu, on va partager cet endroit. Tu auras ta propre partie et j'aurai également la mienne. Parce que je peux voir que tu commences à... Attends là-bas, idiot. Juste à cause d'une clé. Ne t'approche pas de moi. Ikena, tu reprends encore. On n'est plus du tout amis. Regarde, c'était toute chauve. Idiot. Et où? Non, viens encore où je pose mon boîte à outils et me demander. Ne serait-ce qu'une tournevis. En tout cas, n'ose même pas. Maman, bon après-midi. Qu'est-ce qu'il y a de bon avec cet après-midi? Hein, tu dis, maman? Qu'est-ce qu'il y a de bon avec cet après-midi? Il n'y a rien de bon avec cet après-midi. Et il n'y aura rien de bon jusqu'à ce que tu quitteras cette maison. Rentre chez ton père, Chidima. Rentre chez ton père. Hein? Quel genre d'enfant es-tu? Je t'ai parlé comme si tu étais ma propre fille. De femme à femme. Mais tu refuses toujours de m'écouter. Du fait que tu as décidé de vivre dans cette famille, sans que ta dot ne soit versée. Nais, ne me parle plus. Reste dans ton coin. Tu m'as entendu? Moi, maman? Oui, toi. Toi, Chidima. Toi. Oui, toi, Pourquoi Chidima. Pourquoi tu me dis tout ça maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait? Le larme de crocodile. Maman, moi. Allez, disparaît de ma vue. Rentre chez ton père, tu refuses. Hein? C'est quoi ce genre de problème? C'est quoi? Qui peut faire ça? Ia. N'importe quoi. Maman, moi. Chidima, tu es vraiment une déception. Tu m'as pas seulement déçue, mais tu as aussi déçu ta pauvre mère, ton père et toute ta famille. Comment peux-tu être pourrie et stupide en même temps? Écarter tes jambes pour une personne que tu connais, il est incapable de donner même le noix de cola à tes parents. Tantine, s'il te plaît, c'était une erreur. Tantine, non. Je suis désolée, s'il te plaît. Erreur? Après tous mes conseils, tu viens me dire que c'était une erreur? Tu sais quoi? Tu dois le dire à ton papa et pas à moi. Hein? Chidima, après tout ce que je t'ai dit, tu n'as pas écouté. Et maintenant, tu es là en me ciblant avec tes larmes de crocodile. Tu sais pourquoi jusque-là tu es assis là en train de parler avec moi? C'est juste parce que je t'aime beaucoup. Sinon, tu n'allais même pas mettre tes pieds dans cette parcelle. Parce que ma maman m'avait déjà mise en garde de ne pas t'a laisser t'approcher même aux environs de notre parcelle. Et juste parce que ma conscience ne me permet pas. Mais en te voyant maintenant, j'ai envie de t'étrangler. S'il te plaît. Arrête tes supplications et sors de ma maison avec tes larmes. Parce que je ne peux pas faire ça pour toi. Tantine, laisse-moi. Arrête de m'appeler comme ça. N'importe quoi. Tu dis de ma? Qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Hein? Combien de fois t'ai-je dit de ne pas sortir là dehors? N'as-tu pas d'oreille? S'il y a quelque chose que tu as envie de faire, va le faire derrière. Tu veux que les gens te voient ici?
Je suis désolée. Tu es désolée? Tu devrais vraiment écouter. Tu devrais écouter où? Tu veux que les gens puissent commencer à te voir là dehors maintenant? Maman. Chinedu, tu es mon fils unique. Et je n'aimerais pas que quelque chose de mal puisse t'arriver. Maman, rien ne va m'arriver à moi. Chinedu, ça fait des mois que tu gardes cette fille dans la maison. Maintenant, elle est enceinte. Et rien n'est encore fait dans sa famille. Crois-tu vraiment que son père l'a oublié? C'est impossible. Il ne l'a pas oublié. Un homme qui garde silence dans un tel problème, sa réaction peut être mortelle. Maman, je comprends bien. Je comprends très bien d'où tu viens et là où tu veux en venir. Mais je te l'ai déjà dit que... Ok, bien. Je ferai quelque chose à propos de ça. Quand? Quand est-ce que cela aura lieu? Ou soit tu attends à ce qu'elle puisse accoucher? C'est une très bonne idée. Au lieu de presser tout ça, peut-être qu'il faudrait juste... Ouais. Peut-être qu'après qu'elle ait donné naissance, là je pourrais enfin aller pour faire ce qui est nécessaire. Ne sois pas fou. Comment peux-tu parler la sorte? Chinedu, est-ce que tu réfléchis au moins? Je ne te blâme pas. J'aurais souhaité que ton père soit en vie. Maman, s'il te plaît, arrête de dire tout ça, non? À chaque fois, j'aurais souhaité que ton père soit en vie. J'aurais souhaité que ton père soit en vie. Papa était parti afin que nous puissions prendre les choses en main et faire mieux que ça. Maman, ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas arrêté de faire des choses. J'ai tout fait pour pouvoir avoir cet argent, mais cela ne vient pas du tout. Il n'y a aucun job que je n'ai pas fait parce que tu sais bien que s'il y avait un job ici, je serais allé le faire. Ce n'est pas de ma faute. Alors va emprunter. Tu n'as pas d'amis? Va emprunter de l'argent auprès de tes amis et fais-moi sortir de cette honte. Tu dis que je devrais aller emprunter pour marier une femme. Chinedu, je t'ai parlé, tu t'en vas? Chinedu, reviens. Je ne te blâme pas. Tu refuses d'emprunter de l'argent pour payer la dot de la fille d'autrui. Mais tu as pris la fille d'autrui et tu l'as gardée dans cette maison. Tous les jours, la nuit, tu sors avec elle. Maintenant qu'elle est enceinte, va voir sa famille. Va te présenter une fille avec le noix du cola. Tu n'y arrives pas. Espèce d'idiot. Tu refuses d'emprunter. Mon Dieu, pourquoi ça? Chinedu, pourquoi tu es comme ça? Non, Chinedu, pourquoi est-ce que tu pouvais me mentir? À moi, Ikena, ton ami. Jamais! Si c'était une autre personne qui me l'avait dit que tu me faisais ça, je n'allais pas croire. Je n'allais pas croire à ça. Tu m'avais dit, Chinedu, elle est partie, si c'est où, je ne sais pas, alors que tu n'étais content de mentir. Chinedu, toi! Ikena, je suis désolé. Je suis désolé. Oh, tu es désolé? Oui, c'est pas vraiment ce que tu penses, alors je... Non, tu es désolé pendant que tu es en train de cacher Chinedu pendant tout ce temps. Et à moi, tu avais dit que tu ne savais pas où elle était allée. Tu es désolé. Ikena, ne prends pas ça comme ça. Tu sais, j'étais arrivé à un point où je ne savais même plus à qui faire confiance, ni à qui dire la vérité. C'était très bizarre. Attends. Attends. Tu ne sais même pas qui faire confiance. Exact. Même moi. Incluant ma propre mère. C'était très bizarre. Chinedu, maintenant je sais que tu n'es pas mon ami. Tu n'es pas du tout un bon ami parce que de la manière dont les choses sont maintenant, il n'y a plus de confiance entre toi et moi. Ikena, ne prends pas comme ça. Ne prends pas comme ça. Je t'ai dit que j'étais désolé. Écoute, la situation était très bizarre. Je te jure, j'étais vraiment très très lié. La pression était trop sur moi. Tu avais une forte pression sur toi. Et c'est pourquoi tu étais en train de me mentir.
Pendant que les choses s'est passé comme ça, tu étais content de me mentir. Tu avais une forte pression sur toi. Désolé. Désolé, je voulais pas te faire du mal. Ne sois pas offensé. Pardon. Je t'en prie. Hey! Non. C'est bon alors. Est-ce que vous êtes déjà remis en contact actuellement? Mon frère, pas encore. Oh. Jusqu'à ce que je paye quelque chose, n'importe quoi, même si c'est seulement prendre un peu de vin pour mettre sur sa tête. C'est seulement là que tout ça va prendre fin. Et la vérité, c'est que... elle est encore dans ma maison. Attends, Chidima. Exact. Elle est encore chez toi. Ah, mais comment est-ce que je peux faire pour croire à tout ça? À partir de maintenant, je peux croire qu'elle est vraiment enceinte. Hein? Elle est vraiment enceinte maintenant. Oui. Hey, mon Dieu. Alors, que comptes-tu faire maintenant? Je suis confus, je ne sais pas quoi faire maintenant. Je ne sais pas du tout quoi faire. Tu es confus et tu ne sais quoi faire? Tiedou, attends, nous parlons. Attends un peu. Est-ce que tu peux moins t'entendre lorsque tu parles? Tu es confus maintenant. Et tu ne sais quoi faire. Mais tu n'étais pas confus lorsque tu profitais d'elle. De toutes les manières possibles. Lorsque tu la prenais et que tu la mettais dans cette position. Ouah, tu changeais encore cette position. Tin. Tu as mangé par l'arrière, devant, et tu as exploré le centre. Maintenant qu'elle est enceinte, tu es confus. Tiedou, tu es maintenant confus après la grossesse. Hein? Attends, Ikenna. Es-tu en train de te moquer de moi? Hein? Es-tu en train de te moquer de moi ou bien tu es en train de vouloir trouver une solution en tant qu'un ami? S'il te plaît. N'es-tu pas supposé m'aider? Ferme-la! Toi, tu dois juste rester calme. Si je veux, laisse-moi même cogner ma tête ici. Que je me défoule. Même s'il faut que je meure. Tu ne dois même pas essayer de sortir. Toi, ferme-la! Tout ce que tu dois me dire. Si j'écris, j'écris. Si je te gifle, tu dis désolé. Peux-tu fermer ta sale bouche là? Désolé. C'est mieux. Désolé, non? Ah, d'accord, mon ami. J'étais déjà entendu. Désolé, accepté. Désolé, accepté, oh. Désolé, accepté, oh. Tu comprends? Permets-moi juste de rassembler de force. Hein? Face à ces problèmes que j'ai maintenant. Ne t'inquiète pas. Plus tard, je vais rassembler de force pour proposer une solution pour ton problème. Mais pour le moment, laisse-moi garder le peu de cerveau qui me reste pour réparer la voiture de mes clients. D'accord? Et lorsque j'aurai fini de réparer la voiture, je pourrai maintenant proposer une solution. C'est bon? D'accord? Ok. D'accord? Je t'ai entendu. Non? Tu n'as qu'à attendre ce qui sortira de ma bouche. Si j'ai dit oh, ne fais pas. Tu le feras comme je le dirai. Tu comprends? Attends d'abord que je finisse à réparer mes voitures. Après, je vais... Wonem, désolé pour le retard. Le coca est arrivé. Merci beaucoup. Je ne sais pas, laisse-moi aller chercher un... Non, ne te dérange pas. Je veux bien. Tu veux pas que j'utilise mes dents? Non, ça va, oui. Tu n'as pas envie de boire? Non, prochainement. Voilà que tu rejettes mon coca ce matin même, ok? Aucun problème, non? Si tu n'as pas envie de prendre, aucun problème. Tout va bien. Ok. Chinedu, je voudrais que nous discutions deux affaires importantes. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, il n'y a aucun problème. Et... tout va bien. Ok, si tu le dis alors. Parce que tu as rejeté ma boisson. Et là, tu dis que tu veux qu'on puisse parler. Ok, c'est pas un problème. Je vais t'entendre. Ok. Chinedu, s'il te plaît, ne considère pas que ma question est choquante ou que tu le prennes personnellement. Non, aucun problème. Peu importe ce que c'est. Merci. Juste dis-le, aucun Merci problème. Beaucoup. Je veux juste savoir, quelle est ta véritable intention envers mon ami Chidima? Eh, Mao. Neka.
je vais épouser Tudima. Et pour être franc d'ailleurs, je l'aime infiniment. Vraiment? Exact. Mais qu'est-ce que tu attends alors? Pourquoi ne fais-tu pas les efforts pour finaliser sa dot avant qu'elle n'accouche? Bien, la vérité c'est que je compte faire ça très bientôt. Mais le truc c'est que l'argent me pose un peu la pince ces derniers temps. Quelque chose de plus grand qu'un homme est venu. Alors, je planifie de le faire. T'en fais pas avant que tu le saches, on va le faire. Chinedu. Anne. Hein? Toi et moi savons que Chidima est encore plus jeune pour souffrir de cette façon. Sais-tu que ta relation entre toi et Chidima a causé de problèmes entre moi et son père? Hein? C'est vrai que je ne suis pas encore mariée, mais voir cette petite fille, que je considère comme ma sœur, souffrir de cette façon, c'est pas juste pour moi. Hein? S'il te plaît, fais quelque chose. Neka, tu as raison. Tu as vraiment raison. Je comprends très bien ce que tu viens de dire. Je comprends très bien. Mais tu sais, j'aurais souhaité qu'il y ait vraiment de l'argent. J'aurais souhaité qu'il y ait de l'argent. Ou bien que ça puisse couler comme une rivière. Ou comme de l'eau. Hein? Avant que tu ne partes d'ici, tu entendrais déjà que j'ai commencé avec les préparatifs. Mais sont liés. Hein? Actuellement, là, je ne sais même pas ce qu'il faut que je fasse ou comment avoir. Mais je planifie d'avoir cet argent sérieusement. Très bientôt, tu vas entendre la bonne nouvelle. C'est l'argent qui est réellement le problème. Exact. Ok. Si c'est juste ça, je crois que j'ai une solution. Je peux te donner avec l'argent. Hein? J'ai quelqu'un à qui je peux emprunter l'argent chez lui. Et après, tu vas rembourser. Hein? Hein? Oui, s'il te plaît, pense à cela. Ok, je vais réfléchir pour ça. Merci beaucoup. Reviens me voir le plus vite que possible. Il n'y a pas de problème. Je crois que je pars maintenant. Ok, je vais te donner un feedback très rapidement. Le plus vite possible. Aucun c'est vraiment problème. Important. Oh. Hey, merci. Mon cher, que j'ai Dieu vraiment te aimé. Je t'en prie, merci ma belle. Pour tout ça. Merci. Je pars. Oh, hey. Au revoir. C'est gentil. Que l'argent te tue là où tu vas là-bas. Hein? Que l'argent te tue là où tu vas. Est-ce qu'on peut emprunter l'argent pour épouser une femme dans ton village? C'est comme ça que ton père a épousé ta mère? Je vais trouver quelqu'un chez qui tu pourras emprunter de l'argent. Que l'argent tue là-bas. Au lieu pour toi de dire que tu es jalouse. Comment va-t-elle maintenant? Merci, mon Dieu. Ça va, Ali, hein? Infirmière, je vous en prie, est-ce que je peux demander une faveur? Oui, vas-y. Vous savez, je ne sais pas à quel point ça pourrait être possible. Est-ce que vous pouvez au moins passer à la maison pour pouvoir lui faire ses check-up? Genre des services à la maison pour nous. Nous ne partons pas chez le patient pour une vérification. Au moins, ce sont tes qui viennent vers nous, quand il y a un problème. Mais ta femme n'est pas ce genre de personne. Bien. J'ai une raison. Je sais, mais notre cas est très différent. Je vous en prie, j'aimerais vous passer le faire à la maison. Vous pourrez ne pas le comprendre maintenant, mais je vous l'expliquerai au moment opportun. Ok, je vais y réfléchir. Et même si je veux venir chez toi, ça doit être le matin. Parce que je suis trop occupée la journée. Ok, aucun problème. Mais faites-moi savoir seulement s'il y a quelque chose, je vous en supplie. Ok. Merci, oh. Vous pouvez partir maintenant. Ma, viens. Evo, viens tout doucement, hein. Attends. Ah,
Que se passe-t-il ici? Pourquoi tu es en train de pleurer? Attends, j'espère que j'ai entendu parler à quelqu'un au moins. Pourquoi tu es en train de pleurer? Tienedou, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe où? Je ne comprends vraiment rien là. Ceci n'est pas l'amour que tu m'as promis, Tienedou. Pourquoi tu me fais tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, non? Mais fais-moi comprendre. N'est-ce pas le temps d'aller auprès du mien pour... Allez, mon ami, arrête de faire du bruit. Ça veut dire quoi ça? Arrête de faire du bruit. Hein? À chaque fois, tu veux que je puisse crier sur toi. Combien de fois vais-je te dire ça? Je te l'ai dit à plusieurs reprises que je n'ai pas d'argent. Une fois que j'aurai l'argent, j'irai directement voir ton père pour faire ce que je dois faire. Tu mets sous pression, tu risques de me faire faire ce que je ne dois pas faire. Oh. Non, mais tu veux que j'aille voler, c'est ça? Je t'avais vu compter de l'argent. Et qu'est-ce que tu en as fait alors? Ok. Donc à chaque fois que tu me vois avec l'argent, ça veut dire que cet argent-là m'appartient directement. C'est ça que ça veut dire? Non, dis-le-moi, non? Alors, ça appartenait à qui? C'était plus de 1000 naira. Juste, et c'est... Ok. Donc, tu utilisais même tes yeux pour pouvoir le compter. C'est bien ça? Maintenant, laisse-moi te dire, tu vois cet argent que tu m'as vu compter? Cet argent appartient à un client, il me l'a donné pour que je le garde pour lui. Attends, la vérité c'est que, pour dire vrai d'ailleurs, tu vois cet argent? Un client me l'a remis afin que j'achète des pièces de rechange pour pouvoir réparer sa voiture. Et voilà, tu poses tes yeux sur l'argent de quelqu'un. Tu n'es plus le Tienedou que j'ai connu. Tu m'avais dit que tu n'avais même pas un rond. Il y a de cela quelques mois. Tu disais toujours que tu n'avais rien. Même pour me payer la fiche à l'hôpital, tu disais que tu n'en avais pas. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas quelque chose qui fera ce que moi? Toi et notre futur enfant serions heureux à jamais. Pourquoi? Mais bien sûr, tu veux que j'aille voler? Hein? Tu es en train de me mettre sous pression, oh, tu dis de ma. Tu es en train de me mettre sous pression, oh, c'est pas ce pourquoi je t'ai emmené ici, moi. Ça veut dire quoi, ça? Tout ce que je sais, c'est que je n'ai pas d'argent. Simple. Vas-y, assieds-toi bien. Ferme tes jambes. Voilà, tu t'assois avec tes jambes toutes ouvertes. Tienedou, regarde-moi droit dans les yeux et dis-moi que je ne m'aime plus. Et l'argent que je t'ai vu compter ne t'appartenait pas. L'argent n'est pas le mien. Tu ne veux pas parler. Tienedou, tu ne veux pas parler. En tant qu'un ancien, je vous ai apporté ces noix de cola. Garde notre cola. Je t'écoute. Peu importe les problèmes, vous ne pouvez pas refuser mes colas. Ce n'est pas du tout bien. Mais je vous en supplie de vous calmer. Les enfants de nos jours ont leur manière de faire les choses. Cela peut être tout à fait différent de notre manière. Il est dit que la route qui s'amène vers la belle famille, c'est comme la route vers la rivière, qu'elle ne peut jamais être bloquée. Alors, j'ai quitté mon village pour venir vous voir, pour chercher la paix. S'il vous plaît. Je sais que nous vous avons causé du tort pour ne pas honorer la date du mariage. Mais nous continuons à nous intéresser de votre fille. Vous savez que cette fois-ci, nous ferons tout possible pour prendre sa main en mariage. Tu viens de dire que vous êtes toujours intéressé à ma fille? Oui. Quand? Oh, très bientôt, oui. Dès que je finis avec vous maintenant là, nous reviendrons. Je vois. Il y a des mois que je n'ai même pas posé les yeux sur ma fille. Elle est avec vous? Mais, jeune, est-ce que tu t'entends? Oui. Non, un vieil homme comme toi. Hein? Tu peux dire, est-ce que tu t'es entendu? Tu étais ici en train de parler avec confiance, comme si je disais vrai. Mm. Et je t'ai juste demandé une très petite question. Et tu as perdu ton sang-froid automatiquement. Non mais rentre à la maison, occupe-toi de tes affaires. Et dis-moi que tu sais où ma fille est, ou tu ne sais pas où est-ce qu'elle se trouve. Ne viens pas chez moi pour te créer de problème.
cette injection, on peut la garder pour quelques jours. Sois sûr qu'elle mange bien et qu'elle prenne le médicament que je prescris. Merci. Merci infiniment, infirmière. Je dois déjà partir. Je reviendrai la voir plus tard. D'accord, merci infiniment. Avec l'évolution de tout ça, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est que j'aille habiter en ville. T'ai-je bien entendu? Exact. Mais pour être franc, j'en ai marre avec ce village. Et tu penses que c'est facile? Combien d'argent veux-tu utiliser? Cela ne sera pas un problème. Peut-être que je pourrais en avoir... Peut-être que je pourrais emprunter chez un ami. Emprunter de l'argent auprès des amis. Donc tu as des amis à qui emprunter de l'argent pour déménager à la cité. Mais tu n'as pas d'amis à qui emprunter de l'argent pour couvrir cette honte qui est devant nous, Chinedu. Chidima, tu vas pas comprendre ça. Qu'est-ce que je ne peux pas comprendre? Hein? Tu veux dire que tu n'as pas d'amis à qui emprunter de l'argent pour le mariage? Mais ils vont te le donner pour aller à la cité. Juste une bière. Une petite bière. Pour donner à mon père. Afin qu'il patiente. Tu ne veux pas le faire, Chinedu. Ne me fais pas penser que tu le fais intentionnellement, oh. Hey. Tu sais ce que je suis en train de faire et tu le sais très bien. Chidinma, pourquoi dirais-tu une chose comme ça? Hein? Chidinma, tu le sais bien que moi, que j'ai des très bonnes intentions envers toi. Tu sais également que j'ai des très bonnes intentions pour nous. Et tu sais que j'ai des très bonnes intentions pour notre futur enfant. C'est juste que les choses ne se passent pas comme prévu. Les choses sont exactement comme elles étaient. Juste imagine. Ok, tous les jobs que j'ai fait par-ci et par-là, aucun d'eux ne paye, personne ne paye. Hein? Ok, la façon dont les choses avancent, c'est comme s'il n'y avait pas de l'argent au distributeur. Même si tu vas aller retirer l'argent au distributeur, tu verras une très longue queue au distributeur. Aller avoir de l'argent à la banque, c'est encore une autre histoire pour un autre jour. Car ils ne voudront même pas te donner l'argent juste comme ça. Sans même parler du transfert vers ton propre compte personnel. Tout ça sont des défis auxquels je suis en train de faire face et c'est seulement dans ce village. C'est ça pourquoi j'ai dit que je puisse aller en ville au moins pour pouvoir avoir une meilleure vie pour nous deux. Ok, allons-nous aussi parler du POS? Du point de vente? Si tu aimerais avoir 10 000 lira, on te dira de rembourser 40 000 lira comme bénéfice. Ça c'est exorbitant, c'est vraiment de trop. S'il faut que j'aille à la banque pour pouvoir emprunter, je serai l'agent. Ok, donnez-moi 20 000 lira. Ils diront qu'ils n'ont pas du tout de l'argent. Qu'ils sont en train d'essayer de faire d'abord tourner l'argent qu'il y a avant ça. Que l'argent puisse tourner d'abord. Chidinma, essaie de voir tout ça du même point de vue que moi aussi. Je ne trouve pas ça drôle. Ce n'est pas facile. Tu sais, je ne comprends pas. Je ne comprends rien du tout, je suis confuse. D'ailleurs, qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Je suis un être humain. Allez, ne fais pas ça. Arrête ça, non? Chidinma, ne fais pas ça, non? Ne fais pas ça, non? Chidinma, ce n'est pas non plus facile pour moi. Ça va aller, chérie, ça va aller. Écoute. Oui, ma fille, assieds-toi. Chidinma, tel que les choses se présentent en ce moment, si tu as besoin de quelque chose, juste dis-le-moi. Hein?
Merci, maman. Je t'en prie. Juste relaxe. Hein? Dans ton état, tu as besoin d'une mère ou d'une femme âgée qui prendra soin de toi. Oh! Tout ira bien. Tu m'entends? Merci, maman. C'est bon, ma fille. Hein? Détends-toi. Tout ira bien. Hein? Je dois partir. Infirmière, à ce point, que nous conseilles-tu de faire? L'emmener à l'hôpital, ce sera une très bonne décision, comme dit le docteur. À l'hôpital? Quel hôpital? Quel docteur? Infirmière, je pensais que vous tous êtes censés être pareils, n'est-ce pas? Hein? Et même si j'allais à l'hôpital en question, ne serait-ce pas le même infirmière que je vais rencontrer à nouveau? Bien sûr. Mais je pense que là-bas, ils vont examiner sa condition. Alors le mieux, c'est de suivre les conseils. Infirmière, j'espère que ce n'est pas parce que je te dois que tu essaies de nous abandonner comme ça. Ça ne sera vraiment pas juste. Oh. Très bien, Lucilla. J'ai pensé sauver sa vie sans même compter sur l'argent. S'il te plaît, va avec elle. Nous ferons comme elle a dit. Ok, merci. Infirmière. Je crois que j'aimerais vous dire la vérité. Je peux comprendre que cette histoire d'aller à l'hôpital veut dire ne pas aller les mains vides. C'est vrai. Au moins, il faudrait que j'achète des cartes et aussi peut-être des médicaments qui vont prescrire là-bas. Oui. Infirmière, la vérité, c'est que je n'ai pas d'argent pour ça. Mais tu as des amis. Tu peux tout. Infirmière, cela pourrait ne pas être possible. Mon frère, tu es en train de mettre ta femme dans un grand danger. Son état n'est pas du tout bon. S'il te plaît, fais quelque chose. Je dois déjà partir. Bye. Mais où sont donc les premiers praticiens? Mais pourquoi se cachent-ils? Pourquoi? Est-ce que ça veut dire maintenant que l'hôpital n'est fait que pour les riches? Donc maintenant, les pauvres ne peuvent même pas bénéficier de traitement médical, c'est ça? Maman, tu m'as appelé? Ah, Chinelo, s'il te plaît, mets-toi. Hé! Hey, maman, j'espère que tout va bien. Chinedo? Maman? La grossesse de Chidima progresse. Je t'avais entendu en train de discuter avec l'infirmière hier. Alors, c'est quoi ton intention? Mes intentions? Je veux juste qu'elle puisse avoir les bébés, c'est tout. C'est tout? Hein? C'est ce que tu penses? Hein? Pour ta femme enceinte, à ton avis, elle aura les bébés juste comme ça? Hein, mais maman, ceci est sa première expérience. S'il y avait autre chose, l'infirmière me l'aurait dit. Mais je ne pense pas qu'il y ait, je veux dire. Elle va juste avoir le bébé et c'est tout. Voilà ce qui va se passer, non? Juste comme ça? Amène ta femme enceinte à l'hôpital. Achète les histoires des bébés et... Et quoi, maman? Et quoi? Maman, s'il te plaît, oh. Voilà, tu recommences, oh. Hein? Maman, tu me surprends bien des fois. Tu me surprends vraiment. Maman, où est-ce que tu penses que je pourrais avoir cet argent pour faire tout ça? L'emmener à l'hôpital, acheter des trucs pour bébé et tout ça. Les chimistes, les docteurs ne sont pas capables de faire ça. Où vais-je avoir l'argent pour pouvoir acheter tout ce que tu viens de mentionner là? Chinedo, c'est lui qui déclare une guerre. Hein? C'est lui qui veut se battre. Hein? Il doit s'assurer d'avoir les armes qu'il faut. Tu es un homme. Va te débrouiller. Sors et va chercher de l'argent. Cherche de l'argent et amène cette fille à l'hôpital. Okay. Ça sera très mauvais si elle meurt dans ta chambre. Sans effet. Je te préviens. Elle ne mourra pas. Maman, numéro 1, c'est... L'évidence de ma lignée se trouve dans cette grossesse. Au moins, tu pourrais me glorifier en tant que ton fils. Que je suis assez homme pour enceinter une personne. Ça, c'est un. Numéro 2, c'est... Je n'ai pas engagé un quelconque combat avec je sais pas quoi. Sans même parler de chercher je sais pas des herbes. Ça veut dire quoi ça, au juste? Ce que j'ai fait, c'est seulement l'enceinte. Je n'ai pas commis un quelconque crime ou bien je n'ai pas tué qui que ce soit dans ce monde.
Et d'ailleurs, qui sait si elle était déjà divorcée avant ça? Parce que je suis pas le premier, je serai sûrement pas le dernier. Ça veut dire quoi ça? Laisse-moi te demander quelque chose, maman. N'as-tu jamais vu une maman qui prend son courage à deux mains pour prendre soin de son fils et prendre soin de sa femme? N'as-tu jamais vu, sachant très bien que l'homme n'arrêtera pas de faire ce qu'il est supposé faire en tant qu'homme, jusqu'à ce qu'il commence à se relever? Peu importe. Je ne t'ai pas appelé pour que nous puissions faire l'échange des paroles. Je t'ai appelé pour te donner juste un conseil. Si tu veux, tu l'acceptes. Si tu ne veux pas, tu laisses tomber. J'ai dit ce que j'avais à dire. Merci bien pour ton conseil de mère. Que Dieu te bénisse. Maman, si j'avais su que c'est ce pourquoi tu m'avais appelé ici ce matin, pour gâcher ma matinée, pour gâcher mon humeur, je ne t'aurais pas encore l'instant. N'importe quoi. Aïe. Dieu, pourquoi m'as-tu donné cet enfant comme fils? Hein? À la place de me laisser sans enfant, pourquoi m'as-tu donné cette malédiction? Aïe. Hey. Chinedu, assis-toi, nous avons à te parler. Chinedu, mon fils, assieds-toi. Je m'adresse à toi, assieds-toi. Je te demande de t'asseoir, tu refuses. Est-ce que je suis venu blaguer? C'est ta mère qui m'appelait ici. Assieds-toi. Je veille à ce que tout soit réglé. Ce que je vais te demander, c'est de bien me comprendre. Maintenant que tu manques l'argent pour l'hospitalisation, vraiment ça me dérange. Comment un jeune homme comme toi, qui continue à dire « je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent », l'argent pour acheter tout simplement la fiche pour ta femme, tu n'en as pas. Oh, tu te comptes aussi parmi les hommes? Oh, tu penses ces trucs qui bougent entre tes deux jambes, qui t'assure que tu es un homme? Non, tu ne l'es pas. C'est ton devoir, hein, d'assumer ta responsabilité en tant qu'un homme. C'est ce qui fera de toi un homme, point trait. Ou soit tu crois que si quelque chose arrive à cette fille, son père va te laisser tranquille? Non! Sache qu'il va t'enterrer vivant. Cela est 100% sûr. Laissez-moi vous dire, rappelez-vous ces jours-là. Je n'avais pas fini à s'échanger avec lui ces jours-là dans sa parcelle. Donc, mon fils, sois prudent. Hey. Que tu as même dit une simple carte. Une simple carte pour l'hôpital. Mmh. Tu es incapable de sortir l'argent pour ça. Mais comment est-ce que je... Hey, oh Dieu. Mon Dieu. Au lieu plutôt que vous puissiez apporter la solution à ce problème, vous n'êtes là qu'à ajouter des insultes. Des insultes par-ci et par-là. Rien que des insultes. Juste pour me faire paraître comme un vrai fou. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour faire venir cet argent? Ok. Hein? Au lieu plutôt que vous puissiez m'aider dans ça. Quel genre de solution que tu veux que nous t'apportons? Ta mère et moi, nous t'avons conseillé de la faire retourner chez son père. Et tu avais carrément refusé. Et maintenant tu veux la solution, n'est-ce pas? Bah non. C'est vraiment trop tard, mon fils. C'est trop tard. C'est trop tard. Ok. Donc le problème maintenant, c'est parce qu'elle est encore ici. C'est bien ça? Hein, maman? C'est bien ça? Ne vous en faites pas, pas de problème, ne vous en faites pas. Je vais aller là-dedans personnellement et la renvoyer à la maison. Et je vais le faire aujourd'hui, maintenant même. Je vais le faire. Comme ça, moi, on aura la paix. Hein? Au lieu de vous pousser dire, ok, essayons de contribuer l'argent pour aller épouser cette fille, ne serait-ce que pour aider ce garçon. Tout ce que vous n'arrêtez pas de me dire, c'est, va faire ceci, va faire cela. Pourquoi êtes-vous méchant? Déjà tard pour la renvoyer chez elle. Tu ne peux plus la renvoyer. C'est pas possible. Chinedu, tu ne peux pas renvoyer une femme enceinte juste comme ça. C'est une abomination. Ça ne se fait pas. Chinedu. Eh oh, Chinedu, après avoir t'avouré de la jeune fille à ton plaisir et tu as fait d'elle ce qui te semblait bonne affaire, tu l'as engrossée. C'est maintenant que tu veux la chasser. Hein? Au moment même où tu le feras, les dieux de cette terre te tueront. Hein?
Donc, à ton avis, tu penses que ce problème est si facile? Pas du tout. C'est comme une mouche qui est entrée dans les scrotums. Si tu les laisses voler là-bas, ça va commencer à t'ébouffer. Si tu essaies de les tuer en te tapant en dessus, tu bousilleras ton scrotum. Tu es entre les marteaux et l'enclume. Pour ta survie et ton bien, tu dois d'abord trouver une solution. Sinon, tu auras de sérieux ennuis. Tel que tu es là, tu dois trouver une solution pour cette fille. Trouve une solution pour cette fille. Sinon, tu verras. Maman, je n'ai vu aucune mouche voler à côté de moi, encore moins parler d'entrer dans mon scrotum. Exact. Alors toutes ces choses que tu es en train de me dire là, va les dire aux gens qui ont l'habitude de voir des mouches parce que moi, je suis vraiment très propre. Devrais-je me tuer moi-même? Hein? N'est-ce pas que j'ai... Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour faire venir cet argent? Mais ça ne veut pas venir. Vais-je me tuer moi-même? La fille en question était en train de se plaindre. Voilà que vous venez avec vos histoires de partir par là. Dites-moi, qu'est-ce que tu veux faire avec tout ça? Dites-moi un peu, hein. Est-ce que vous n'allez pas l'épouser? Que comptez-vous faire tous les deux? Parce qu'il y a des membres de famille chez lesquels je proviens aussi. Qu'ont-ils fait au juste pour enlever cette honte? Pour que vous tous vous êtes en train de l'appeler la honte sur vous. Qu'ont-ils fait exactement? Est-ce que vous avez contribué de l'argent pour me donner à moi et que j'ai dit non et j'ai bouffé cet argent? Non mais je suis fatigué, oh. Je suis fatigué de toutes ces bêtises, oh. Je suis fatigué, oh. Je vous demande de me laisser tranquille pour de bon. Laissez-moi régler ce problème à ma propre façon. Chinedu, c'est que tu envoies quelqu'un de t'acheter au marché. C'est ce qu'il va t'apporter. Bien sûr. Écoute-moi bien, mon fils. Ce que tu dois faire maintenant, c'est d'aller chercher l'argent. C'est alors que tu peux utiliser cet argent pour l'amener à l'hôpital. Pour les traitements appropriés. Ok. Hein? Ok. Oh, oh je t'en prie. Laisse-moi t'accompagner. Ok, merci. Chinedu, tu dois faire ce que je t'ai dit pour chercher la paix. Je pense que j'ai tout dit. Tu as entendu. Franchement, on est entouré que de méchants partout. Non mais sérieusement, ma propre mère qui est supposée dire à cet homme-là de contribuer afin que ça puisse se passer. Hein? Si je décide maintenant que je ne vais pas l'épouser, ça serait un problème. Comme si j'avais dit que je n'allais pas l'épouser. Vous êtes... Je sais quoi faire. Ah! Attends, 18, 19, oh, ok. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30, 31, 32, 33, 34, 30. Le grand voyageur. 36. Mon ami a beaucoup d'argent avec son boulot. 37. Fanga, le grand voyageur, le plus grand, le plus grand. Et mon ami ne manque jamais d'argent. Quand vous manquez, faut venir trouver chez lui. Allez, vas-y, frappe là. 43, 44. Allez, vas-y, frappe là. 5, 46. Allez, vas-y, frappe là. 47, 48. Mon ami a toujours beaucoup 49. S'il te plaît, calme-toi. Ok. Tu veux pas me parler parce que tu comptes de l'argent? Hein? Ton plan est que je puisse commettre une erreur en faisant ce comptage, mais ça ne marchera pas pour toi. Comment? Ça ne marchera pas, je t'ai dit. 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 50. Tu ne veux même pas que je... Ok, d'accord, attends qu'on essaye de... Ton plan est que je commette une erreur avec cet argent. Moi. Exact, au comptage, mais ça ne marchera pas pour toi. C'est bon, alors. Ça ne marchera pas pour toi. Alors, quelle date as-tu fixé? 2, 3, 4, 5, 6... Mon gars, c'est très bientôt. 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 100.
Je ne comprends pas. Ok, d'accord, très bientôt. Très bientôt. Tu peux réunir de l'argent, non? 15, tu peux 16, réunir de 17, l'argent 18, pour 19, le problème de Chidima. 21, hein? N'est-ce pas? 21, hein? 22, 23. N'est-ce pas? Car ça veut dire quoi, n'est-ce pas? Qui a-t-il? Cet argent que tu as pu réunir, n'est-ce pas, pour le problème de Chidima? Et qui te l'a dit? Hein? Mais c'est ce qui est prioritaire actuellement. Ikenna. Attends. Cet argent que tu as pu réunir, n'est-ce pas, pour le problème de Chidima? Oui, ça l'est, ça c'est l'est. Quand? 20, alors, 21, c'est quand? 22, 23, 24. 25, comme je te l'ai dit, très bientôt. 39, 40, hey, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 54. Je suis même perdu. Je crois que je vais continuer à faire ça. Je garde, je continue ça plus tard. Je suis très fier de toi. Allez, vas-y, salue-moi. On essaie juste de parler, non? C'est juste que... Ah, qu'est-ce que c'est? Hein? Non. Que ça ne soit pas que tu essayes, que tu essayes soigneusement de ne pas m'inviter au mariage. Ça ne sera pas possible. Ikenna. Non, ne m'appelle pas Ikenna. Écoute, pour le fait que j'ai dit que je ne serai pas ton garçon d'honneur, ça ne veut pas dire que je ne serai pas là. Ah! Ikenna. Je serai là. Tu vois, à ce stade de ma vie... Mm-hmm. Je me suis décidé d'être sage. Exact. Ça veut dire? Je suis devenu sage. Ça veut dire? Personne ne peut m'aveugler à nouveau. Ça veut dire quoi donc? Tu vois cette fille, Chidima, uh-huh. Hein? Elle a un plan. Et son plan, c'est de me cerner. Elle compte m'emprisonner avec cette grossesse-là et ça ne marchera pas. Je ne comprends pas. Tu as besoin de comprendre ça. Attends d'abord. Ça t'appartient. N'es-tu pas celui... N'es-tu pas celui qui est le propriétaire de cette grossesse? Étais-tu là quand je l'ai mise enceinte? Arrête un peu de me parler de toute... Et est-ce que c'est ta grossesse? N'es-tu pas mon ami? J'étais là lorsque tout avait commencé. Lorsque cette fille nous a porté des oranges, elle a porté tout genre de choses pour venir nous vendre ici. Uh-huh. Son ventre était comme ça, plat. Uh-huh. Mais une fois qu'elle a commencé à vivre chez toi dans la maison, son ventre a été pompé comme ça. Ça a commencé à grossir. Jusqu'à ce que c'est devenu pire. Tu vois un peu. Alors je connais un peu tout entre toi et Chidima. Tout le donné de cette histoire se trouve ici. Je connais tout. Tu es le seul responsable de cette grossesse. Si ce n'est pas toi, ça serait qui? Analyste informaticien. Quoi qu'il en soit, c'est bien ce qu'elle a dit. Mais le problème. Mais. Laisse-moi un peu. Tu es le responsable. Ikenna. Hein? Pour être franc, je ne suis plus intéressé à ce mariage. Tu es un idiot. Je te souhaite la même chose. Tu es un idiot pour dire ce genre de bêtises. Comment ne peux-tu pas être intéressé? Non, mais pourquoi fais-tu ça, non? Mais je n'ai plus envie de me marier, donc par force. C'est pas force. C'est toi qui l'as rendue grosse. Et puis tu me dis encore que... Mais alors, c'est quoi le problème dans tout ça? Ne me touche pas avec tes sales mains là, sale idiot. Hé, cher ami, nom de Dieu, n'essaie même pas de dire cette bêtise. N'essaie même pas. À moins que tu cherches à creuser ta propre tombe. Écoute un peu, ne me dis même pas ça. Garde-le pour toi-même. Sale croque-mort. Mon cher, tu dois épouser Chidima. Laisse un peu. Tu penses qu'elle est un carburateur? Ou qu'elle est toutes ces voitures que tu repars? Que la faute s'abatte sur toi, idiot. N'importe quoi. Tu es en train de la suivre. Maintenant, tu la fouilles. Tu es vraiment un sale fou. Es-tu fou? Tu sais même pas comment fermer ta bouche. Chidima sera mariée. C'était ce monde toi qui est en train de critiquer Chidima disant qu'elle était une petite fille. Moins âgée, mineure, tout ceci et cela. Maintenant, c'est ce monde toi qui est en train de compter les jours pour elle. Lorsque je t'avais dit de m'étonner, Chidima, de me la laisser ne serait-ce que pour un temps, avais-tu accepté? Tu n'es qu'un sale fou. 1, 2. Naï. Dans notre village, il nous dit toujours de finir tout ce qu'on a commencé. Ça, c'est vrai. Naï. Tu n'es de mon fils unique. Et je ferai tout ce que je peux pour l'aider dans cette situation. Je te l'ai dit. Tu as vraiment dit la vérité. Vraiment, tout est clair, bien. Il n'y a pas à douter de ça et il n'y a pas moyen de le changer. Je suis d'accord avec toi. J'ai pensé vendre un terrain pour échapper à cette honte qui est sur le point de s'abattre sur nous. Je dois vendre un de nos terres. Tu sais,
que nous n'avons pas assez de terres. D'ailleurs, toutes les deux familles, nous n'avons pas encore partagé les biens que notre papa nous a légués. Je sais, mais essaie un peu d'examiner la situation. Hein? Je n'ai pas d'autre choix. Parce que c'est seulement ce qu'il y a à l'intérieur du cricket qui tue le cricket. Tu proposes vendre quelle terre? Je pensais vendre cette terre qui est derrière l'école primaire d'ici au coup. As-tu déjà trouvé l'acheteur? Pas encore. Je m'étais dit de venir d'abord vous voir et en parler avant de faire quoi que ce soit. Ok. Tu peux la vendre alors. Après tout, Chinedu, c'est l'unique fils que mon frère m'a laissé. Et je ne lui permettrai pas de souffrir et mort. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas les tolérer. Merci. Oh, tiens-toi debout, ma chère. Tiens-toi debout. C'est bon. Je te reviendrai. Ok, ça va. Ok. Ijuwa, regarde les souffrances auxquelles nous faisons face. Attendons voir la suite. Bye bye. Hey, mon Dieu. Hey, ma petite femme. Oh, Malicha. C'est comment? Commence à quoi? Tu es supposée être heureuse. Hein? N'es-tu pas supposée être heureuse pour moi? Heureuse à propos de... Même si c'était pour rien du tout, le simple fait pour toi de me voir rentrer ici à la maison à 7 heures et surtout en bonne santé, tu es supposée être heureuse. Oui, c'est comme ça, dès que tu me vois rentrer à la maison, tu es supposée me faire un câlin, me souhaiter bienvenue et me mettre à l'aise. C'est ça que tu es supposée faire. Chinedu, n'est-ce pas une nouvelle moto? C'est bien évident une fois qu'on la regarde, donc c'est comme ça. C'est la preuve que tu dis agir. Lâche la poussette pour qu'il n'y ait plus de poussière. Et tu en es propriétaire? Donc, parce que j'ai conduit une moto. Jusque dans la parcelle, cela fait de moi le propriétaire. Donc, je n'ai même pas le droit de demander à un seul de mes amis de me prêter sa moto, afin que j'aille avec à la maison, ou même me le donner pendant au moins 2 jours. N'ai-je pas ce droit-là? Après le pleur du bébé cette nuit, l'enfant mourut le lendemain matin. Alors, est-ce que le bébé a pleuré hier soir? Peu importe, il n'y a pas de bébé ici qui est censé mourir, sans pour autant parler du bébé dans la brousse en train de pleurer. Alors voilà un peu. Alors, tu aimes bien la moto? Chinedu. Qu'est-ce qu'il y a? N'ose pas, s'il te plaît, respecte-toi. Respecte-toi bien. Les cris du bébé dans la brousse. Mon intuition me dit que tu es le propriétaire de cette moto. Ok, ça c'est bien. Continue à le nier. Ton intuition est vraiment parfaite, j'adore ton intuition. Puisse ton intuition te dire également ou te faire comprendre ou te montre comment je pourrais faire cet argent. Arrête plutôt de me parler d'intuition ou quelque chose comme ça. Je ne te blâme pas, à tout moment ton intuition est en train de te dire que... Ok, je vais prendre mon petit déjeuner d'abord. Mon père et sa mère me tourmentent. Oncle Duka me dérange, mais il ne comprend pas. Je vais être aveuglée par les mots amour. Et qu'est-ce qui m'arrivera après? Chinedu, Dieu va te juger. Dieu va te juger, Chinedu. Ce que tu es en train de me faire. Une moto.
mon cher. C'est une moto neuve. Ikena, écoute. Ce truc coûte vraiment très cher, extrêmement cher, ok? Ne le casse pas, je t'en prie. Mais tu aimes toujours parler. Tu sais bien que je fais confiance. Tu es mon ami, non? Tu je suis très parler. Heureux. Tu profites de... Tu aimes bien la moto, n'est-ce pas? Je te jure. Ah, je sais. Hey. Oh, depuis que tu l'as acheté, je ne l'ai pas encore conduit. Que je l'essaye d'abord. Tout ça est tout neuf. Et je l'ai acheté moi-même. Tu entends ça? Oui, non? C'est ce pourquoi je l'ai acheté. Que je descende partout. Viens, on va boire. Tu as d'ailleurs oublié les clés ici. Non, laisse-la là-bas. Allez, doucement, on va rire, on va y revenir, d'accord? Donnez-moi à boire, s'il vous plaît, donnez-moi à boire. Tu sais, tu es mon meilleur ami. Oh, c'est rien du tout, c'est rien. Vas-y, prends ta bouteille. Ouvre-la. C'est pas grave, tu peux. Mais le toi faire. Aussi, tu peux utiliser tes dents, non? Pourquoi tu te déranges comme ça? Allez, arrête ça. Hey, mon cher. Je vais aller la retaper, comme ça on va changer cette coque-là. Et on en mettra une nouvelle. Et je mettrai aussi des lampes, un peu partout, comme ça quand je conduirai, tout le monde verra ça. Sérieux? Tout le monde saura que Chinedu arrive. Hey, mon cher. Hey. Vas-y doucement, ne t'enivre pas, oh. Hey. C'est mon détail mystère. Ah. Je te jure, c'est mon... Hey, mon Dieu. Qu'est-il arrivé? Tu ne sais pas ce qui s'est passé? Hein? Tu me demandes ce qui s'est passé? Mais travaillons-nous pas dans le même garage? Hein? Et que veut dire tout ça? Je ne comprends vraiment pas. Tu me demandes? Hein? Tu me... Ok, d'accord. Il y a quelques mois passés, tu n'avais absolument rien. Moi-même, j'étais là avec toi pendant tous ces temps. À peine tu cherchais quelque chose de tes mains pour manger. Et puis soudainement, l'argent commençait à couler jusqu'à acheter ça. Regarde ce que tu es devenu. Attends, comme soudainement, l'argent commençait à gérer, tu penses ça? Ou ne sais-tu pas que l'argent comme ça vient après des années, des jours ou même des minutes oublie de dur labeur? Oublie tout ça, ne va pas là. Je connais toutes ces choses. Ok. Premièrement, nous avons maintenant une femme qui a maintenant un très très gros ventre et très bientôt elle va donner... Maintenant, deuxièmement, tu as une moto. C'est que tu laves maintenant. Exact. Nous avions commencé à apprendre la mécanique ensemble au même moment. Nous avions servi le même maître. Nous avions été engagés au même moment. Et nous continuons à travailler. Nous continuons à travailler dans le même garage. Cependant, je n'ai encore rien réalisé. Ikena. Dis-moi ce que tu as fait pour ces sites, tu appelles Ikena. Ikena, calme-toi. Hein? Écoute, calme-toi. Vas-y, prends ta bière. Je suis en train pas. De boire. Écoute, ne me dis pas de boire parce que tu ne vas pas m'apprendre à boire. J'ai déjà bu. Je ne suis pas content. Je sais, mais tu dois être heureux. Tu vois ce dieu là-haut. Il a une raison pour absolument chaque chose. Le temps de Dieu, c'est le meilleur. Oui, attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu est meilleur. Le temps de Dieu est meilleur. Quand est-ce que le temps de Dieu sera aussi meilleur pour moi? Et tu me dis que le temps de Dieu... Est-ce que je suis mort? Hein? Hey. Le temps de Dieu est meilleur pour toi, pas pour moi. Écoute, arrête ça. Les gens ne comprennent même pas ce que c'est. Si tu connaissais le genre de problème que j'ai là dans ma tête, le genre de responsabilité que j'ai, le genre de choses auxquelles je fais face, tu ne dirais même pas ça. Je t'entends. C'est ça pourquoi je dis que tu devrais boire. Tu ne comprendras oui, je pas. Je bois. Petit à petit, tu es doux. Hein. Je ne sais pas. Je sais, je t'ai entendu. Arrête un peu de me dire tout ce que tu es en train de dire là. Ikena. Hein? Ikena. Hein? Ne t'inquiète pas. Oublie un peu tout ça et permets-moi d'avoir l'argent. Écoute, permets-moi d'avoir l'argent et d'attendre une mort soudaine. Un de mes oncles dit que c'est mieux d'aller faire n'importe quoi pour probablement avoir de l'argent pendant 2-3 mois et puis mourir. Que Dieu nous épargne, ce n'est pas ta portion. Oui, ce n'est pas mon et cas. Et ça ne sera jamais ta portion. Ça ne sera jamais. Écoute, mon cas, tu es en train de te débrouiller comme un jeune homme et un jour ça sera ton tour. Écoute-moi, il n'y a que le temps de Dieu qui est meilleur. Oh. S'il te plaît, mon cher. Écoute, on n'a pas été appelé pour avoir des coups. Tu peux me croire. Écoute, mon cher. Nous devons arroser pour cette moto. Alors, nous devons beaucoup boire. Emmenez-en plus, s'il vous plaît. On a besoin de boire. Ok, d'accord, petit à petit. Ok, l'une après l'autre. Oui, d'accord. Emmenez-en plus pour mon ami. Ce n'est pas facile, hein. Écoute, hein, quand j'étais allé acheter cette moto à Osokwado. mon fils, j'ai appris que tu n'arrives pas à prendre soin de ta fille. Chief, en fait, c'est... Exact, c'est vrai. La vérité, c'est que quelque chose s'était passé, alors j'avais dû changer la date. Alors, qu'en est-il de l'argent que je t'avais donné la fois passée?
Rappelle-toi, je ne blague pas avec mon argent. C'est vrai, Tuf. L'argent est toujours là, Tuf. Rappelle-toi quand tu m'avais demandé, je t'avais dit que je n'avais pas assez d'argent. Le seul argent que j'avais, acheté un nouveau engin pour ma voiture. C'est vrai, Tuf. Alors, je te l'ai donné comme mécanicien après un mois. Lorsque tu vas finir avec ton mariage, tu vas acheter un nouveau engin pour ma voiture. Tu te rappelles? Ok, ça c'est vrai. Chief, je vous en prie, pardonnez-moi. Je m'en souviens maintenant. Je peux juste vous dire de ne pas vous inquiéter. Tout va se passer exactement de la manière dont on avait convenu. Bien. Oui, alors Chief. Informe-moi lorsque tu prendras une autre date pour le mariage. Alors, je partirai avec toi. Ok, Chief. Merci infiniment, Chief. Bonne journée à toi. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Hein? De quoi tu parles? Pourquoi est-ce que ton client, Chief Maluka, est-il en train de déformer son visage comme un idiot? J'espère que tout va bien. N'as-tu pas de respect? Non, il n'est pas un idiot, c'est le Chief Maluka. Oui, je sais, mais c'est la manière dont il déforme son visage comme un imbécile. Peu importe, son frère a eu un accident avec l'une de ses voitures. Jésus! Exact, alors il était venu me le dire. J'espère qu'il n'est pas mort. Non, ce n'est pas si sérieux que ça. Ce sont des petites égratignures. Voilà pourquoi elle est venue me demander si on pouvait faire quelque chose à propos de ça. Oh Dieu merci. Oui, je savais, parce que la manière dont il était en train de déformer son visage, je me disais que forcément quelque chose n'allait pas. Exact. Hey, c'est très triste. C'est bon maintenant. As-tu fini avec cette voiture? Non, je travaille sur ça. Mais le problème, c'est que la manière dont il était. Je me suis dit que j'aille d'abord parce que je te connais comme un fauteur de troubles. Peut-être que tu as encore. Tu as encore causé du tort et parce que la manière dont il était... Mon gars, dégage. Akune, depuis que je t'attendais et je n'ai rien vu de toi, alors je me suis décidé d'être là moi-même pour savoir si tu as vendu cette portion de terre comme convenu. Ah, Naïndoka, les choses ne sont pas faciles. Dans ces pays, les choses vont du mal en pire. Le problème de cette terre me fait comprendre que les choses ne sont pas faciles partout. Ah, tout le monde que je contacte à propos de cette terre ne font que me promettre. Je viendrai, je te tiendrai informé. Je vais t'appeler. Rien du tout jusqu'à présent. Je suis confuse, je ne sais plus quoi faire. Oui, tu as raison. Il n'y a plus d'argent dans ces pays. Pas du tout. La vie est difficile. Je ne me découragerai pas. Je continuerai à chercher. Je vais continuer à foncer. Ma question est à ce niveau. Si tu ne vends pas cette terre pour résoudre ce problème, que feras-tu alors? Je souhaiterais rencontrer quelqu'un qui peut me prêter de l'argent. Si seulement je pouvais rencontrer quelqu'un qui donne de l'argent en crédit, je serais ravi. Hein? De cette façon, j'ôterais mon visage de la honte. Chinelu ne comprend pas la gravité de ce qui se passe. Bien, pour être franc avec toi, la chose qui m'a amené ici est celle-ci. Je pensais que tu as vendu cette terre sans me contacter. Ah. Et pour commencer, Chinedu a acheté d'abord la moto. Hein? Chinelu a acheté une moto? Tu veux dire que tu ne sais pas? J'ai entendu qu'il est en train de se réjouir tout seul avec ses amis pour la nouvelle moto qu'il a achetée. Tu veux dire que tu ne sais pas? Allô? Oui, je suis à l'atelier. Hein? Où est-ce que vous êtes comme ça? Ok, je viens là maintenant. J'arrive tout de suite.
Attends, il y a quoi encore? Ok. Qu'est-ce que c'est? Il y a une urgence, mon gars. Une urgence? S'il te plaît, aide-moi à filer cette voiture, je t'en prie. Je te reverrai plus tard. Mais...